Salut Corbeau. Alors, est-ce que j'ai un petit retour de son, moi ? Quel bordel. Salut à toi, Suze. Tu vas bien ? Ça va mieux? C'était moi dedans? J'étais grande maison. Et le deuxième, les adversaires de la tyrannie. Sympa, un deux petits chapitres, hein, parce que le son est assez fort. Alors, hop, micro. Là, ouais, c'est bon. Pourquoi tu marches pas, toi? Est-ce qu'elles ont aussi une note? Ah non, c'est pas du tout ça. Alors, quelle arrivée là? J'ai pas l'heure et elle s'affiche pas sur le bureau ici. Merde. Je peux pas le mettre là sans foutre en l'air le diaporama. Bah, ben, disons. Encore un truc brouillon. Salut, anti-capacitiste. Je vous laisse vous installer peinard. J'essaie de régler les derniers petits bitonios. Hop. 21h29. C'est brouillon cette chaîne. C'est un petit peu brouillon cette chaîne, je suis bien d'accord. J'ai décidé ce live à la dernière minute. Voilà, je me suis dit que ce serait chouette, parce que je suis plongé pour d'autres raisons en fait, pour préparer un autre live. Pour préparer un live avec la chaîne Le Flot de l'Histoire. Je suis en train de me plonger dans des ressources à moi. Et ça m'a donné envie de relire Jacob Burckhardt. Voilà. Donc, je me suis dit que, comme je l'ai réentamé ce matin, j'en ai lu deux petits chapitres tout seul, je me suis dit que je pourrais continuer avec vous. Je n'ai pas forcément besoin de l'ouverture. Hein. Donc, ce serait pas mal. Ça peut être pas mal, juste pour vous mettre dans le bain, quoi. Je vais vous parler rapidement de Burckhardt. S'il était parti dans Burckhardt, il reste important, son bouquin. Bon, après, faut le compléter hein, par d'autres trucs. Ça dépend sur quoi on se penche comme aspect de l'histoire. Même de l'histoire de la Renaissance, mais oui, ça reste quelqu'un d'important et son bouquin est précieux. Et non, j'ai pas de nouvelles de Gaël, anti-capacity, je lui envoie des petits mots de temps en temps. Ah, s'il était pertinent, autant pour moi quand même, le flot de l'histoire. Écoute, j'ai entendu juste un ou deux lives, donc je sais pas encore, hein. Mais la rencontre est assez cool, le type est plutôt charmant.
Et bon, on verra quel tour prendra le dialogue. Je ne sais pas encore. Comme il stream pas tout à fait, enfin voire pas du tout, aux horaires, au moins je suis devant Twitch, c'est pas simple de voir exactement ce qu'il fait. Mais ça a l'air sérieux. Pourquoi tu n'as pas encore été voir ses lives, c'est ça? J'ai vu par ailleurs, en parlant de live et de chaînes intéressantes, que Facteur Cheval a refait surface de temps en temps. J'ai eu le plaisir de le réentendre 2-3 fois. Et c'est cool, il avait un peu disparu des radars parce qu'il était au boulot, je crois, qu'il était un peu trop pris par son travail pour faire des. Pour streamer. C'est chouette de le revoir faire surface. De le voir refaire surface. Ouh là là, ça promet ce soir. J'entends l'écho de ma propre voix dans mon oreille, je lui dis, mais quelle sorte de langue parles-tu, Laurent? Exactement. Qu'est-ce que tu racontes? Les mots sortent de ta bouche dans un désordre total, c'est bien raisonnable. J'arrive pas à faire le bon choix pour les lunettes. C'est brouillon cette grammaire, c'est ça, tout est brouillon ce soir. Ma grammaire est brouillonne, le live est brouillon. Voilà, ça va être un spécial brouillon. Et je suis caché par mon propre débit sur l'interface. On va peut-être remonter un peu. Blabla, blabla. Voilà, ça marche un tout petit peu mieux. Donc oui, anti-capacitiste pour te répondre, ouais, j'ai pas de nouvelles de Gaël, ça commence à être long déjà. Il en fait pas surface pour l'instant. Alors avant de commencer dans un live, tu dis qu'il y a selon toi fondamentalement des œuvres bonnes et des œuvres de merde. Est-ce que tu considères donc qu'il y a des personnes qui ont du goût et d'autres qui en auraient pas? Je suis pas sûr que ce soit tout à fait la même question, Corbeau. Déjà parce que je suis pas sûr que le terme de goût puisse beaucoup nous aider. Qui est vraiment un marqueur d'une espèce d'aristocratie du jugement esthétique assez douteux. Quand on suppose... La question du goût est complexe parce qu'elle est vraiment liée à un certain idéal de, comment, de cohérence dans un univers qui serait voué à la question esthétique entre les différents objets qui font le socle du jugement. Avoir du goût reviendrait dans cette espèce de construction-là, à assembler judicieusement ensemble les œuvres de tous les domaines possibles. C'est-à-dire que le goût, il n'est pas censé se constituer a priori uniquement à l'aune du jugement sur tel ou tel type d'objet, telle ou telle famille d'objets, mais constituer vraiment une espèce d'éthos un peu particulier. Et même si on peut dire d'une œuvre elle-même qu'elle est de mauvais goût, en argumentant des raisons pour lesquelles elle peut l'être, pour des raisons éthiques, pour des raisons historiques, des raisons politiques ou artistiques, et on peut juger de cette question, dire d'une personne qu'elle a du goût ou pas, c'est ça mérite d'être quand même revu à l'aune d'un autre vocabulaire, je pense. Après, c'est quoi les conséquences de cette partition d'une espèce de territoire comme ça, des œuvres
de merde, bonne ou pas. Ça exige qu'on se situe, pour en parler, dans un espace un peu clair, des exigences devant les œuvres. Parce qu'en fait, c'est ça qui va tout changer. Ce qui va déterminer si une œuvre est merdique ou pas merdique, c'est pas une espèce d'absolu en vérité. Ça tient plutôt à un cadre dans lequel le jugement va s'exercer relativement à des règles préétablies. Et donc ça va être lié à une attente. C'est-à-dire que si c'est un tu rhétorique, hein, je parle pas de toi évidemment, mais si tu as un rapport distractif et léger, futile à la musique, en gros qu'elle sert à décorer ta vie, à te faire taper du pied, danser avec tes potes, que t'en attends rien d'autre que du plaisir, comme d'autres de la nourriture, ou comme toi-même, enfin, on peut avoir plusieurs sources de plaisir, évidemment. Bon, la question d'une œuvre de merde ou pas, ça devient un peu compliqué, puisqu'un nombre assez considérable de productions peuvent satisfaire des exigences finalement pas très hautes, quoi. Si tu attends beaucoup plus, si que tu commences à faire croître, non pas le niveau de tes exigences, mais leur faisceau. C'est-à-dire ce dans quoi tu vas intriquer ton rapport de goût, ton rapport de jugement pour tel ou tel objet. Donc un cadre historique, un cadre éthique, un cadre politique, un cadre esthétique, que tu attends aussi à un rapport critique de l'œuvre au monde. Au monde des choses, au monde des discours, des énoncés, évidemment un rapport récursif d'une œuvre sur son domaine, c'est-à-dire du fait que toute œuvre apparaît dans un champ historique, préparé d'une manière ou d'une autre par les autres œuvres. Sa capacité critique, elle va être liée très très directement au champ de ces œuvres. Et c'est avec cet appareil-là du jugement que tu vas avancer avec telle ou telle œuvre et attendre d'elle une certaine hauteur dans sa capacité à mettre en crise les autres œuvres, son cadre historique, etc. Ça change pas mal de choses, quoi. Le cadre dans lequel tu attends quelque chose. Et puis après, il y a la question de l'expertise. Qu'est-ce que ça veut dire, où on la place ? Il ne faut pas croire que quand il s'agit des œuvres d'art, il n'y a pas d'expertise pour en juger. Ce serait aberrant. Enfin, il n'y a aucune production humaine qui s'affirme sans expertise. Il n'y a donc aucune raison au monde pour accepter l'idée que les œuvres d'art puissent, alors qu'il n'en est rien pour aucune autre forme de production humaine, puisse être jugé, apprécié, critiqué, discuté, sans expertise, comme ça. On arriverait complètement nu de toute forme de connaissance, mais on aurait la capacité, comme ça, spontanément, je ne sais pas, ça doit pousser comme une espèce de frisson sur la peau, la capacité d'en juger. Ben, non, évidemment, ça n'a pas de sens. Je pense que la question d'une œuvre merdique ou pas, doit être reposé après dans tout le faisceau de conditions qu'on pose pour la mettre en relation avec d'autres œuvres. Parce que ce ne sera pas toujours la même question. C'est-à-dire, selon l'angle de vue sous lequel on va l'ausculter, mais toujours avec l'exigence d'un minimum d'expertise, sa capacité à être une grande œuvre ou une œuvre insignifiante sera peut-être différente. Voilà. Donc toutes ces choses sont étroitement liées à, ben, finalement, à la forme de ton attente, de ton désir, et aussi du cadre d'expertise lui-même. S'il est juste historique, ou s'il est esthétique, ou s'il est politique. Voilà, c'est une réponse un peu longue pour une question qui attendait peut-être pas autant de développement, je ne sais pas. Donc des personnes qui ont du goût et d'autres qui n'en auraient pas, ça me paraît insatisfaisant comme façon de parler. Après, il y a aussi la situation sociale. On peut être léger avec ses potes et se satisfaire d'une façon rapide. Tu vois, salut à toi Clint. Et d'une façon rapide de parler ensemble.
Tu vas dire, on peut dire à son pote au détour d'une table, putain, mais t'as vraiment des goûts de chiottes, toi, hein? Comment tu peux aimer une merde pareille? Voilà, ça peut se dire. Après, si c'est entre potes, voilà. C'est très insatisfaisant si on commence à poser la question un peu plus sérieusement, dire, bon, de quoi on parle? Qu'est-ce qui nous autorise à cet endroit-là à avoir un tel dédain pour tel truc? Bon, j'ai fait un choix en parlant de mauvais goût, qui est peut-être de mauvais goût. J'en suis un peu. Je sais pas. J'ai essayé un truc. Je vois bien moi-même que c'est pas l'idée du siècle. Mais j'ai mis en arrière-plan, vous le voyez, un diaporama de quelques photos que j'ai prises dans quelques endroits d'Italie, de toutes sortes, dans des églises, des musées. Et puis j'ai foutu un diaporama qui a des effets spéciaux de transition. Et je suis pas sûr que c'est du meilleur goût. Je suis même plutôt sûr du contraire. Quand je vois la façon dont les images s'enchaînent, on dirait une vieille table de montage vidéo des années 80 où le technicien découvre avec excitation la possibilité de faire des petits effets de transition entre deux plans et décide absurdement de les mettre tous dans le même film. Ça me fait un peu cet effet. Bon, ben, je suis désolé de vous infliger ça. Voilà, ce sera ça. Je suis vraiment désolé. Bon. On verra pas trop m'en vouloir. Merci pour cette réponse claire. Le développement te va bien. Au contraire, tu n'étais pas certain que les termes soient justes dans ta question. Oui, bah. C'est pas comme si finalement on disposait d'un vocabulaire très très juste pour tout ça, au sens où on parle ici sur plusieurs registres de langage en même temps. C'est un peu la particularité d'une chaîne comme celle-ci, par exemple. C'est qu'on peut y parler de choses savantes, sans renoncer à leur caractère parfois complexe. On essaie de les désemberlificoter ensemble. Et puis, on parle ensemble aussi sur un ton badin, léger, avec le plaisir ouais, de pouvoir se détacher des contingences habituelles de l'analyse, etc. En fait, on peut se retrouver à parler du même objet, des mêmes choses, des mêmes questionnements sur deux, trois registres assez différents en même temps, parce que telle est, d'une certaine manière, la composition même de nos relations ici. Elles sont à la fois, j'espère, hein, légères, un peu enlevées, un peu amusantes, et puis, pour autant, également, on ne renonce pas. Salut à toi, Sarah. On ne renonce pas à la possibilité d'aller loin, si on peut, dans l'analyse, des fois dans certains textes un peu compliqués. Alors, on dirait les faux clips sur YouTube réalisés par des femmes qui découvrent Internet. Movie Maker, nous dit Anticapacitiste, oui. Bah, écoutez, je suis un peu désolé, mais du coup, bah, on va devoir s'en satisfaire. Vous allez voir des choses merveilleuses, comme là, on voit les très belles fresques à Vercelli, à Novara de Gaudenzio Ferrari, et on voit ça avec des affreux effets vidéo tout dégueulasses. Eh bah, bien, ça va être ça. Et on va faire comme si de rien n'était. Alors, je vais peut-être faire un peu attention à la musique qui m'a l'air légèrement forte. Je sais pas, je ne me rends pas compte. Voilà, on va peut-être pas là, pas plus que ça devrait suffire. De quoi on va parler ce soir? Donc, ce qui se passe, c'est assez simple. Je suis convié par une autre chaîne qui s'appelle Le Flot de l'Histoire, qui est une chaîne consacrée à l'histoire, à aller papoter de certaines questions liées plus ou moins à l'histoire des images et un peu à l'histoire des textes, des tragédies. On va parler de la question de l'auto-représentation du pouvoir. En tout cas, c'est une question où j'avais envie de parler un petit peu avec lui quand il s'est agi de définir un cadre pour dialoguer. Moi, ce qui me plairait d'aborder avec lui, puisque moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas vraiment, je dirais, pas le niveau de précision, d'exigence et de méthode pour prétendre présenter assez précisément un vrai travail historien sur tel ou tel aspect. J'ai un rapport à la connaissance qui reste quand même, un rapport assez enlevé. Je travaille sur des sujets d'histoire uniquement par petites pièces quand j'en ai besoin pour bosser. Salut à toi, Danimer. Donc je me vois mal sur une chaîne qui est consacrée à l'histoire,
prétendre à un vrai rapport historique parce que tout simplement, je ne serais pas assez précis et ce serait du travail de cochon. Donc, je préfère aborder par grands pans des questions plutôt thématiques, c'est-à-dire chercher des invariants à travers l'histoire, à travers quelques vagues petits moments que je connais un tout petit peu mieux que d'autres, la question de l'auto-représentation du pouvoir. Et aussi, du coup, en contrepoint, se poser la question de l'auto-représentation, de la contestation du pouvoir. Bref, me voilà parti pour bosser un peu sur ce sujet et j'ai décidé à un certain moment d'aborder la question de la cité de Ferrare, avec la famille des Estes, d'Est, D'Est, la famille d'Est, qui a une dynastie qui a longtemps exercé son pouvoir sur la ville de Ferrare. Et pour ça, je me suis replongé dans quelques bouquins, et notamment dans celui-ci, de Burckhardt, que voici, dont je vous conseille vivement la lecture, parce qu'il reste toujours une chouette référence. C'est « La civilisation de la Renaissance en Italie », de Jacob Burckhardt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Burckhardt. Si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Donc, c'est un intellectuel, historien, historiographe. Complètement amoureux de la Renaissance italienne, c'est un des objets auxquels il a consacré le plus de temps, mais c'est pas le seul. Pour la période de vie de Burckhardt, il couvre à peu près tout le 19e siècle. En gros, il naît au début du 19e et il meurt à la fin. C'est un homme très brillant. Vous le verrez qu'il y a une écriture vraiment assez à la fois rigoureuse et claire. Il y a un côté cristallin à l'écriture de Burckhardt qui est plutôt fascinant. C'est un homme d'une culture immense, comme on n'en fait plus beaucoup, c'est-à-dire que là, parce que c'est trop compliqué. Enfin, dire les champs de connaissances ont tellement creusé verticalement la possibilité de toucher avec précision à un objet que nous sommes évidemment, tous les intellectuels sont tenus de s'arrimer à, je sais pas, 2-3 objets maximum pour une vie, et puis ça n'ira pas beaucoup plus loin. Là où au 19e, on commençait, c'est certes, à toucher les limites de la connaissabilité de pas mal de trucs, mais on pouvait espérer quand même avoir un regard un peu étendu, un peu large, sur le champ des connaissances humaines, au moins les arts, un peu les sciences, etc. Donc Burckhardt est à une espèce d'extension comme ça, de son empire intellectuel sur plein d'objets. C'était un type qui, en plus de cette culture immense, était un homme de position ferme, considéré comme très doux dans son rapport social, mais avec une conscience assez claire et tranchée de sa position dans le monde. Sans doute insatisfaisante pour nous tous et toutes ici. On pourrait dire que c'est l'incarnation au 19e siècle d'une certaine forme d'apolitisme. Je ne sais pas si on aurait eu autant de raisons au 19e siècle d'avoir de la déconsidération pour la position indéfendable apolitique, mais j'ai trouvé un petit moment de la préface dans laquelle il écrit à une amie et on comprend quelle sorte d'homme ça peut être et comment il en arrive là. C'est un cas assez typique, si vous voulez, d'individualiste éclairé. Très attaché à cette figure de l'homme seul, éclairé, qui a à la fois un mépris total pour le capitalisme, pour le monothéisme, les monothéismes en général, pour l'autoritarisme de l'État, dans lequel il a beaucoup de dégoût. Alors, tout ça, ça nous le rendrait très sympathique, mais également comme une espèce d'aristocrate du goût. Il regarde avec mépris le prolétariat comme une espèce de foule, ignorante par nature. Il y a chez lui les bases jetées, ce qui pourrait être un pré-nietzschéisme, ce qui peut expliquer pourquoi Nietzsche avait une telle considération pour Burckhardt. Voilà. Son livre, là, sa civilisation de la Renaissance en Italie, est assez particulier et cher à mon cœur. C'est un livre pionnier, finalement. Bien avant les bases théoriques qui vont être lancées par l'école des Annales, par Bloch.
il a une vision déjà complète de ce que doit être l'historiographie, donc une vision sociale, politique, du fait historique, de la construction historique. Donc ce n'est pas un Michelet, c'est plutôt une espèce d'anti-Michelet assez salutaire. Donc il s'intéresse beaucoup aux archives pour aller voir en quoi elles peuvent le renseigner avec précision sur les faits sociaux et politiques de telle ou telle époque. Et c'est la façon par laquelle il va aborder son histoire, sa civilisation de la Renaissance en Italie. Ça en fait un livre assez dense, assez riche et précieux pour comprendre pas mal de choses, notamment par le rassemblement des sources qu'il y a faites pour donner de la consistance à son bouquin. L'angle qu'il aborde, c'est celle de l'extrême brutalité des rapports politiques entre les dynasties qui vont constituer l'espèce de tissu à la fois bigarré mais extrêmement entremêlé des cités-états, des grandes cités italiennes et des dynasties qui les dirigent. Et ce qui l'intéresse évidemment, c'est le modèle de la tyrannie qu'il ausculte, qu'il décrit avec non seulement beaucoup d'acuité, mais une certaine férocité et d'horreur. Hein. Et la chose qui rend ce livre si fascinant pour moi, c'est qu'on sent que le livre qu'il est en train d'écrire, d'une certaine manière, passe en partie à côté de lui-même. C'est-à-dire que dans le projet burckhardtien, il y a la présence évidente, comme une espèce de lettre volée, de la Renaissance artistique. C'est-à-dire, si ce livre s'appelle « La civilisation de la Renaissance en Italie », on comprend que tout ce qui est décrit prépare à une intelligence particulière de la Renaissance, à une compréhension fine, finalement, des conditions d'apparition historico-sociale des œuvres d'art. Il est en train, lentement, de rajouter point par point tous les motifs du tapis historique sur lequel va s'établir la Renaissance italienne. Et il va mettre tellement de soin et tellement de temps à écrire sa civilisation de la Renaissance en Italie, bien que de nombreuses allusions soient faites sans cesse aux œuvres d'art, qu'il n'aura jamais le temps et la possibilité d'y ajouter, à proprement parler, son histoire de l'art. Donc c'est un livre d'histoire de l'art sans histoire de l'art. Je crois pouvoir affirmer, sans grand risque de me tromper, que la civilisation de la Renaissance en Italie de Burckhardt est surtout lue, je crois, par des historiens d'art et des amateurs d'histoire de l'art, alors qu'au fond, on peut dire qu'il n'y a jamais vraiment question d'histoire de l'art. Jamais. Donc c'est enfin un livre vraiment très curieux et assez fascinant. C'est comme un livre en creux. Un livre, d'une certaine manière, en partie absent de lui-même. Ce que je disais par rapport à cette espèce de position aristocratique, d'aristocratie intellectuelle de Burckhardt, est assez lisible dans ce petit passage. Il écrit un petit texte, je ne sais plus à qui il envoie cette lettre. Alors, c'est carrière de journaliste. Voilà, c'est pas noté. Écrit-il la veille de son premier départ à Rome, mais c'est pas dit à qui il écrit. Ah si, c'est en note, il écrit à son pote Hermann Schauenburg. Je suis désolé, je n'ai pas assez travaillé parce que je ne sais pas qui est Hermann Schauenburg. Je ne peux pas vous le dire. Ce sont des photos de Brescia qu'on voit. Alors pas que, on a vu aussi des photos de... Enfin, on va se balader entre Brescia, Torino, Vercelli, Novara et Varallo. Donc il y a des parties qui sont dans le Novarese, donc... au nord-ouest de l'Italie, dans Val d'Aoste, dans ce coin-là, quoi. Et puis, une autre partie lombarde. Voilà. J'ai pris deux voyages au pif pour vous composer un petit diaporama. La prochaine fois, je pourrai en faire un peu plus long. C'est la première fois que j'essaye ce diaporama. J'en ferai un avec beaucoup moins d'effets. Je crois que je peux les choisir et les limiter. Donc, je ferai attention à limiter un peu les spéciaux à la con. On essaiera d'éviter ça. Je mettrai un simple fondu enchaîné. Je pense que ça ira très bien pour tout le monde. Ça devrait suffire. Et je mettrai un peu de toutes les régions de l'Italie, comme ça on aura vraiment un beau regard là sur plein de trucs. J'ai choisi de vous lire ce petit bout parce qu'il vous donnera une idée de la position
qui est au fond une espèce de position mélancolique aussi. Hein. De Burkhard. J'ai rompu toutes les attaches avec elle. Et c'est précisément pour ça que je m'enfuis. Non, il parle de sa carrière hein, et de l'endroit où il se trouve à ce moment-là, à Bâle. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, il est né à Bâle, le pépère, donc c'est un intellectuel suisse-allemand. Ça égaye quand même le live, merci Clint. Je ne sais pas si les effets spéciaux sont vraiment intéressants, mais bon, j'aurais pas dû. J'ai rompu toutes les attaches avec elle. Et c'est précisément pour cela que je m'enfuis dans le beau et paresseux sud, qui, engourdi et mort pour l'histoire, admirable et silencieux monument funèbre, me ravive, moi, qui suis là de la modernité, par son frisson d'antiquité. Alors, il écrit ça, l'Italie n'existe pas encore comme État unifié, hein, puisque là, visiblement, c'est une lettre qui est écrite en 43. Donc, 43, on en est loin, l'unification de l'Italie donc, est précédée de nombreuses batailles, hein, mais c'est 1869, si je me souviens bien. Donc on n'y est pas du tout, et ça veut dire que l'Italie du début 19e, qui est décrite de la même façon par Stendhal par ailleurs, hein, est dans une espèce de torpeur politique et historique, comme un moment de soustraction elle aussi, en tous ses points, du champ politique et de la construction historique. Alors une position mélancolique, mais psychiatrique, romantique ou hippocratique ? Non, c'est la mélancolie à l'ancienne, tu vois là. La mélancolie saturnienne, voilà. On pourrait dire romantique, mais... Oui, on pourrait dire romantique, c'est un esprit romantique de Burkhard. Bon, disons ça. Donc quand il parle de ce sud engourdi et mort pour l'histoire, c'est ça qu'il dit en fait, c'est de ça dont il est en train de parler, d'accord ? Moi qui suis là de la modernité, admirable et silencieux monument funèbre par son frisson d'antiquité. Oui, je veux leur échapper à tous, c'est ce que je vous disais hein, par rapport à son regard général sur son siècle. Radicaux, communistes, industriels, savants, ambitieux, réfléchis, abstraits, absolus, philosophes, sophistes, fanatiques de l'État, idéalistes de tout genre. Je sais, je crois lire dans vos yeux à tous un reproche muet, de me voir m'abandonner avec tant de légèreté au plaisir du Sud, que sont l'art et l'Antiquité, cependant que le monde accouche dans la douleur, et que les messagers du jugement dernier social sont aux portes. Donc il est quand même très très conscient, comment ne le serait-il pas en vivant en Suisse, de ce qui est en train de se tramer en Europe, des révoltes et révolutions hein, qui bouleversent le début du 19e. Advienne que pourra, je ne puis rien y changer. Mais avant que ne fasse irruption la barbarie généralisée parce que je ne vois rien venir d'autre, j'entends me régaler d'une aristocratique lampée de culture, afin de pouvoir participer un jour, lorsque la révolution sociale aura passé, à l'inévitable restauration. Et là, ça les viendra, Jacob. Nous pouvons tous périr, mais je veux au moins choisir ce pour quoi je meurs, la civilisation de la vieille Europe. Bon, on sent quand même pointer une espèce de nostalgie gentiment conservatrice quand même. Hein. Qui parle de restauration, et on sent que c'est pas juste la restauration de la paix. En tout cas, moi, j'ai du mal à l'entendre comme ça. Mais d'une paix gagnée probablement contre la populace. Le passage que j'ai choisi de vous lire, ce sont les chapitres 5 et 6. C'est-à-dire, non, c'est pas un monarchiste, non, il est vraiment, c'est un ennemi de l'État sous toutes ses formes et de l'autoritarisme d'État complètement. Toute forme de... Comment de nationalisme, de centralité du pouvoir est plutôt étrangère à Burkhard, si j'ai bien saisi qui était cet homme. Non, non, c'est une grande tige maladive, pas faite pour son siècle, comme tant. Donc les premiers chapitres sont consacrés aux grands traits de l'écriture de Burkhard sur la tyrannie. Donc c'est les grands traits généraux sur la tyrannie en Italie à ce moment-là, avec description d'un certain nombre de tyrans précis dans le deuxième chapitre. Puis il va passer au... Salut à toi maman. Bah écoute, tu es la bienvenue. Il va passer par la suite aux grandes maisons régnantes.
C'est-à-dire que le chapitre précédent, celui que je ne vais pas vous lire, parle, je crois, des maisons de Mantoue et de je ne sais plus de Rimini aussi. Mantova, Rimini. Donc des petites cités. Et là, il va s'attaquer aux grandes dynasties, et c'est assez intéressant, vous allez voir, d'essayer de comprendre un petit peu cette organisation de l'Italie avant son unification, organisation très explosée, par des siècles d'antagonisme entre cités, et notamment par au moins deux, trois siècles de querelles, de violentes querelles, de conflits entre les Guelfes et les Ghibellins. Mais je pense que sur les Guelfes et les Ghibellins, je ferai peut-être un crochet, si vous ne savez pas ce que c'est, pour le chapitre suivant, parce qu'il y est fait mention, ces conflits ne sont pas plus très vivaces au XVe siècle, ils sont en train de s'éteindre, mais ce sera important de savoir dans quoi l'Italie était prise jusque-là, pour mieux saisir aussi ce qu'est ce XVe siècle, de quoi il est l'héritier. On va commencer donc le chapitre consacré aux grandes maisons régnantes. Parmi les dynasties importantes, celle de la maison d'Aragon mérite d'être étudiée à part. Donc la maison d'Aragon, c'est le même domaine, le même empire, pas au sens impérial du terme, mais au sens de domination et de gouvernement que celui de Naples, d'Alphonse de Naples. L'Aragon appartient à Alphonse de Naples. Aragon, donc, vous le savez, qui est espagnol. Alors, parmi les dynasties importantes, celle de la maison d'Aragon mérite d'être étudiée à part. Le système féodal, qui subsiste ici depuis les Normands, sous la forme de baronnies indépendantes, donne à l'État un caractère particulier. Pendant que dans le reste de l'Italie, sauf la partie méridionale des États de l'Église et quelques autres régions, la propriété foncière pure et simple est seule admise, et que l'État a supprimé les privilèges héréditaires. Alors les États de l'Église, c'est quelque chose dont on parlera par la suite, précisément cette question État de l'Église rentre dans l'opposition entre Guelfes et Ghibellins, qui a clairement territorialisé l'Italie en la coupant à l'intérieur d'un conflit entre ville à ville dans ce jeu de tension. Donc les villes qui sont sous tutelle de Rome, sous la tutelle papale. Alphonse le Grand, qui règne à Naples à partir de 1435 et qui est mort en 1458, donc c'est quand même assez court, hein, c'est 23 ans, est loin de ressembler à ses descendants, réels ou supposés. Grand et magnifique en toutes choses, tranquille au milieu d'un peuple qui l'aimait, généreux envers ses ennemis, modeste malgré le sang royal qui coulait dans ses veines, aimable et distingué dans la vie ordinaire, sachant se faire admirer jusque dans la passion tardive qu'il a éprouvée pour Lucrèce d'Alagna, il a eu un seul défaut, défaut qui souvent sert à faire valoir des qualités brillantes, la prodigalité, avec toutes les conséquences qu'elle entraîne fatalement. En gros, c'est pas l'image type du souverain tyrannique. Salut à toi, Andersburg. Tu fais une petite parenthèse, tu parles jamais, c'est la troisième fois que tu viens. Je trouve ça assez intéressant ce que tu fais, mais ta voix manque d'enthousiasme. Là, je me vois mal frétiller de joie en vous racontant l'histoire d'Alphonse le Grand. Donc, ça va pas être chantant ce soir. Hein. Il y a peu de chance. Donc, qu'est-ce que je disais Je disais qu'on a un cas type de construction sur autour d'un souverain. Pour ce que ça veut dire, là, pour pouvoir en juger, on est en train de lire la source principale de Burckhardt, Jovian Pontan. C'est pas non plus comme s'il y avait des milliers de sources. Et ce qu'on voit, c'est un trait qui est assez courant au début du XVe siècle en Italie. Cette prodigalité, elle est extrêmement... Elle a une valeur somptuaire considérable, donc une valeur d'exposition de la puissance qui passe par la capacité à dépenser, c'est carrément du potlatch, une puissance de potlatch, une puissance de destruction de la possession pour montrer qu'on est possédant et qu'on ne craint pas la ruine. Évidemment, toutes les cités qui jouent à ce jeu sont...
commençons toujours en péril de banqueroute. Elles ne sont pas toutes aussi puissantes financièrement, elles ne sont pas toutes aussi puissantes que Florence ou Venise. Et on peut dire que même quand elles sont très, très puissantes, un type comme Alphonse le Grand, Alphonse de Naples, peut à lui tout seul, avec cette démesure, mettre en danger les richesses de l'État. On vit des employés aux finances devenir tout puissants, malgré leurs malversations, jusqu'au moment où le roi fut poussé par la banqueroute à s'emparer de leur fortune. On prêcha une croisade afin d'avoir un prétexte pour imposer le clergé. Donc en 1435, les croisades, il n'y en aura plus beaucoup, quoi. On arrive vraiment... c'est plutôt exsangue, il n'y en aura plus beaucoup. Je ne sais pas, je crois qu'elle s'arrête définitivement après la prise de Constantinople par l'Empire ottoman, où ça devient un peu trop chaud pour les petites miches des chrétiens pour aller voir les ouaves à Jérusalem. Mais... c'est déjà extrêmement violent et on va plus guère faire de croisade. Donc là, on voit que Alphonse prétend la nécessité d'une croisade pour piller tranquillement son clergé, le clergé. À la suite d'un grand tremblement de terre qui désola les Abruzzes, les survivants furent obligés de continuer à payer l'impôt pour ceux qui avaient péri. Donc le souverain... aimer de ces sujets, à mon avis, là, ça va peut-être commencer à plus mal se faire, je pense. À mal se passer. Alphonse était d'ailleurs l'hôte le plus magnifique de tous ces temps, quand il avait à recevoir des visiteurs illustres ou les ambassadeurs des princes étrangers. Il était heureux de donner toujours, de donner à tous, même à des ennemis. Enfin, sa libéralité n'avait plus de mesure quand il s'agissait de récompenser les travaux littéraires. Donc ça, c'est une constante de cette période qui s'installe plutôt qu'on ne le croit, parce que si vous pensez par exemple à la tapisserie démesurée d'Angers de l'Apocalypse, dans une commande de René d'Anjou, si je me souviens bien, c'est des choses qui sont largement entamées dès le XIVe siècle. L'idée que la magnificence d'un pouvoir se superpose en fait à sa puissance. Qu'elle en est l'analogon sensible et qu'on ne peut imaginer un pouvoir qui n'ait pas les moyens de mettre en place de façon constatable par tous la splendeur de cette puissance. Et ça va durer comme ça au minimum jusqu'au XVIIe. Je pense que l'apothéose de ça, évidemment, c'est Versailles. Ferrante, donc ça c'est le fils, je crois. Fernand, en français. Ferrante, qui lui succéda, passé pour son bâtard. On disait qu'il l'avait tué d'une dame espagnole, mais il était peut-être le fils d'un maran de Valence. Donc un maran, c'est un juif converti. Était-ce le sang dont il était issu, ou bien les complots tramés par les barons contre son existence qui le rendirent sombre et cruel? Toujours est-il qu'il se signale entre tous les princes d'alors par son épouvantable tyrannie. Donc là, il y a un changement d'ambiance dans le royaume de Naples et d'Aragon. Un souverain, c'est un engrenage. Bravo, Suze, bon début. D'une activité infatigable, reconnue comme une des plus fortes têtes politiques, réglée dans sa vie, il applique toutes ses forces. La sûreté d'une mémoire implacable et la profondeur d'une dissimulation sans exemple à la destruction de ses ennemis. En gros, il met toute son énergie pour faire obstacle à tout ce qui pourrait nuire à son pouvoir. Il y a beaucoup des cités de cette époque dont on a l'impression, un petit peu comme aujourd'hui en France, que la totalité des règles qui régissent la vie de la cité ne servent qu'à une seule chose, c'est assurer la survie du souverain et de son entourage. Blessé autant qu'un prince peut l'être de la conduite des chefs et des barons, qui étaient ses parents par alliance et qui n'en étaient pas moins ligués avec tous ses ennemis extérieurs, il se fit une habitude du pire comme chose normale. Pour se procurer les moyens de soutenir cette lutte et de subvenir aux frais de ses guerres extérieures, il recourut au système tout mahométan qu'avait employé Frédéric II. Donc Frédéric II, c'est un
un empereur du Saint-Empire germanique du XIIIe siècle. On peut dire que le Saint-Empire prend vraiment sa forme à ce moment-là, et même s'il naît bien avant, il naît au Xe siècle. Frédéric II, c'est avec lui que l'Empire va commencer à manifester de façon hostile et lisible le désir de faire main basse sur l'Italie. Le gouvernement seul faisait le commerce de l'huile et des blés. Ferrante avait centralisé le commerce en général entre les mains d'un grand marchand nommé François Coppola, qui partageait les profits avec lui et qui imposait ses volontés à tous les armateurs. Les emprunts forcés, les exécutions, les confiscations, la simonie. Alors, la simonie, c'est le trafic d'œuvres, comment, d'œuvres religieuses. C'est quand on commence à faire main basse sur les biens de l'Église pour en tirer du pognon. Les contributions extraordinaires prélevées sur les corporations religieuses étaient les autres ressources. Bon, on peut dire qu'Alphonse avait donné le la avec sa prétendue croisade pour choper un impôt auprès du clergé. Il avait ouvert la brèche à cette possibilité. Outre la chasse, où il ne ménageait rien, ni personne, il se livrait à deux genres de plaisirs. Il aimait à avoir dans son voisinage ses ennemis, soit vivants et enfermés dans des cages bien solides, soit morts et embaumés avec le costume qu'ils portaient de leur vivant. Donc là, la source est Paul Jove. Il ricanait quand il parlait des prisonniers à ses confidents. Quant à sa collection de momies, il n'en faisait même pas mystère. Salut Mandrake! Ses victimes étaient presque toutes des hommes dont il s'était emparé par trahison, et souvent même à sa table royale. Il déploya une méchanceté vraiment infernale à l'égard de son premier ministre, Antonello Petrucci, qui avait blanchi dans le service et qui était affaibli par la maladie. Ferrante continua d'accepter les présents de ce vieillard, qui de jour en jour tremblait davantage pour sa vie, jusqu'à ce qu'enfin, à un semblant de participation à la dernière conjuration des barons, fournit à son maître un prétexte pour le faire arrêter et exécuter, ainsi que Coppola. Coppola, hein, on s'en souvient, c'est le François Coppola, donc à qui il avait, avec qui il avait centralisé le commerce, le grand marchand, le commerce de l'huile, sous la férule de l'État. Oui, c'est charmant, hein, Clint, c'est vraiment un gars sympa. La manière dont tous ces faits ont été racontés par Caracciolo et par Porzio fait dresser les cheveux sur la tête. Dans la suite, le fils aîné de Ferrante, Alphonse, duc de Calabre, fut associé par son père au gouvernement de l'État. C'était l'homme le plus cruel, le plus pervers, le plus vicieux et le plus commun qu'on eût jamais vu, toujours selon Paul Jeure. Hein. Un débauché sanguinaire qui avait sur son père l'avantage d'être moins dissimulé et qui ne craignait pas non plus d'étaler au grand jour. Excusez-moi. Son mépris pour la religion et pour ses pratiques. Ce n'est pas chez ces princes qu'il faut chercher le caractère altier et vivant de la tyrannie d'ailleurs, d'alors. Ce qu'ils empruntent à l'art et à la culture de leur temps, c'est le luxe ou l'apparence de la civilisation. Alors, le cas n'est pas rare. Hein. C'est des choses dont il est souvent question dans l'historiographie de cette période. Quand vous lisez, par exemple, la façon dont une petite portion d'une dynastie établit tout le luxe artistique de telle ou telle ville, tout l'éclat qu'ils ont su donner à l'extérieur, tourner vers l'extérieur, à leur cité et à sa puissance. La plupart du temps, le reste de la famille ne fait que suivre ce qui a été installé avec eux sans forcément s'y impliquer. Enfin, c'est tous les Medici ne sont pas Lorenzo de Medici. Il y en a deux, trois dans la famille pour qui c'est important, qui fréquentent les artistes de leur temps, les philosophes de leur temps. Marcel Fischer pour les intellectuels, ou Ghirlandaio, qui je crois était un ami intime de Laurent de Médicis. Mais le reste de la famille peut être décrit parfois comme des gens très rustres, mais qui ont pris l'habitude
de poursuivre le travail de mise en lumière de la cité et on pourrait dire l'illusionnisme d'un prestige, mais qui n'est plus que de façade. Donc en gros, ils se tiennent au courant de la dernière mode artistique, ils payent des artistes pour décorer et en vérité, eux, s'en soucient peu. On décrit souvent comme de Médicis, comme un homme plutôt une sorte de condottiere pas très cultivé. Et par ailleurs, quand il choisit pour lui-même la peinture à fresque de la chapelle des Medici, il va pas choisir les peintres les plus en vogue de la modernité de cette période. Il va aller chercher Benozzo Gozzoli, qui est plutôt considéré comme un peintre gothique tardif, même si, de mon point de vue, c'est un vrai petit génie. Hein. Alors, du coup, tu lis le livre « Les cadres de la Renaissance italienne ». Oui, je lis un peu Burckhardt. Je lis parce que je suis replongé dedans pour des raisons de travail, que ça me plaisait tant qu'à faire de partager un peu mon plaisir à lire Burckhardt avec vous. Je trouve ça sympa. Donc, le cas n'est pas rare, et on comprend bien que c'est ce qui se passe dans le domaine de Naples et d'Aragon, là. Que génération, enfin, successeur après successeur, on peut dire que le souci d'être réellement impliqué dans le programme intellectuel et artistique s'effrite très largement après Alphonse le Grand. Ce qu'il veut dire par ce qu'ils empruntent à l'art et à la culture de leur temps, c'est le luxe ou l'apparence de la civilisation. Alors c'est un bon livre, je me demande parce que ça peut m'intéresser comme cadeau pour une personne qui s'intéresse à la Renaissance. Alors ça dépend quels aspects de la Renaissance sont appréciés. Là, si c'est quelqu'un qui s'attend à un bouquin d'histoire de l'art, il va être très déçu, comme je le disais au début du bouquin. C'est le livre qui est un peu le livre qui n'est jamais là, qui n'arrive jamais à l'intérieur de ce livre, c'est son histoire de l'art. Donc le Burckhardt s'en tient aux structures politiques, à la construction historique, à la vie quotidienne, aux rapports intellectuels, à l'antiquité, enfin plein de choses de ce genre. On peut dire qu'avec Burckhardt, on va voir à peu près toutes les facettes de la vie sociale, intellectuelle et politique du XVe siècle. Mais à proprement parler, on ne va pas aller dans les détails du 15e. Donc non, si tu veux quelqu'un qui s'intéresse à la Renaissance, il vaut mieux lui offrir des bouquins de Baxandale, par exemple, ou certains de Damiche sur des sujets précis, sur Piero della Francesca ou des choses comme ça. Mais le Burckhardt, il est lu par tous les amateurs d'histoire de l'art, parce qu'il est fondamental. Mais il ne fait que tourner inlassablement autour de son objet, sans jamais l'atteindre. Donc si c'est quelqu'un qui cherche des références sur la Renaissance, il vaut mieux lire d'autres gens. Soit bon, des grands classiques, effectivement, comme ceux que je viens de te nommer, ou des plus contemporains, comme Arras, par exemple. Salut Solarius, qui est plutôt sympa. Ça dépend aussi qui est ton interlocuteur ou ton interlocutrice, quel est son degré d'expertise dans le domaine des arts. Voilà. C'est plus simple de lire Arras que Baxandale, je pense, par exemple, ou que Damiche, notamment. Faut voir. Mais on peut en parler tout à l'heure, si on veut parler de bibliographie sur l'histoire de la Renaissance, on peut faire un tour à la bibliothèque à côté, réfléchir à ça. Mais c'est surtout la fin de cette maison de Marane qui prouve chez ses membres un manque total de race. Ferrante meurt torturé par l'inquiétude et par le remords. Alphonse soupçonne de trahison son propre frère, Frédéric, le seul honnête homme de toute la famille, et il l'offense de la manière la plus indigne. Enfin, il perd la tête, s'enfuit en Italie, lui qui avait passé jusqu'alors pour un des meilleurs capitaines de la péninsule, laissant son fils, le jeune Ferrante, livré sans défense à la vengeance des Français et à la trahison de tous. Une dynastie qui avait régné comme celle-là aurait dû au moins vendre chèrement sa vie si elle avait voulu rendre possible une restauration dans l'avenir. Mais jamais homme cruel ne fut hardi, ainsi que Comines l'a dit à ce propos. Dans un sens un peu étroit, il est vrai, mais non sans justesse. Le régime princier apparaît avec le caractère vraiment italien, italien dans le sens du XVe siècle, chez les ducs de Milan, dont la domination se montre dès Jean Galéas sous les traits d'une monarchie absolue. Donc Milan, vous voyez où c'est, en Italie, au centre-nord, hein,
J'attends la fin et je veux pas interrompre. Oh, tu sais, on est là pour papoter. C'est un live très léger. Hein. C'est pas un live théorique. C'est vraiment le plaisir de lire un peu ensemble un bouquin chouette. Il n'y a pas de mal. T'inquiète. Le dernier Visconti, Philippe Marie. Donc Philippe Marie Visconti, c'est 1412-1447. Donc finalement, une vie assez courte. Hein. Et surtout remarquable au plus haut point. C'est de plus une figure admirablement retracée par les historiens du temps. Ce que la crainte peut faire d'un homme richement doué et placé dans une haute situation se trouve pour ainsi dire mathématiquement complet chez lui. L'État, comme je le disais tout à l'heure, là, on ne peut pas le mieux le dire que Burckhardt à cet endroit-là, l'État n'a qu'un but, la sécurité du prince, et tous les moyens dont il dispose tendent à ce but unique. Alors Philippe-Marie Visconti, c'est vraiment le prototype du parano. Hein. Les ducs de Milan, quelle longévité. Alors, si vous y mettez à plusieurs sur ces blagues. Seulement l'égoïsme féroce de ce souverain ne dégénéra pas en cruauté. Il habite le château de Milan, dans l'enceinte duquel on voyait les jardins, les allées, les manèges les plus magnifiques. Il n'en sort guère et reste de longues années sans mettre le pied dans la ville. Ses excursions ont pour but les communes sujettes, où s'élèvent ses superbes châteaux. La flottille de barques que traînent les chevaux rapides et qui le promènent sur des canaux spécialement creusés à cet effet est organisée en vue de toutes les exigences de l'étiquette. Le code de l'étiquette, donc c'est le code de comportement, un terme qui a un peu disparu, mais c'est resté jusqu'au XXe siècle. Quand j'étais môme, on parlait de l'étiquette encore pour le bon comportement, le savoir-vivre, le savoir se tenir. Toute personne qui venait au château était l'objet d'une surveillance minutieuse. Défense de stationner près d'une fenêtre, afin qu'on ne pût correspondre par signe avec le dehors. Ce qui devait faire partie de l'entourage immédiat du prince était soumis à toute une série d'épreuves savamment calculées. Quand il les avait subies avec succès, il leur confiait les plus hautes fonctions diplomatiques ou en faisait des laquais, car l'un était aussi honorable que l'autre. Oui, le statut du valet, du laquais, est assez différent pendant longtemps dans l'histoire. Peut-être une telle proximité avec des princes en fait des gens plus importants que ce terme recouvrira au XIXe, par exemple. Et c'est cet homme qui a soutenu des guerres longues et difficiles et qui a traité constamment des grandes affaires politiques. C'est-à-dire qui a dû sans cesse envoyer dans toutes les directions des hommes munis des pouvoirs les plus étendus. Ce qui faisait sa sécurité, c'est que tous ces gens-là se défiaient les uns des autres. C'est que les condottieri étaient surveillés par des espions. C'est que les négociateurs et les hauts fonctionnaires ne savaient à quoi s'en tenir, ne pouvaient jamais s'entendre. Parce que le prince semait habilement la division entre eux. Et surtout, parce qu'il avait soin d'accoupler chaque fois un honnête homme et un coquin. Alors maintenant, on ne dit plus l'étiquette, on dit choc-barre de baiser, c'est ça, dit Solarius. Alors, sur le net des années 90, on était souvent appelé à respecter la netiquette. Bonsoir, docteur Wack, c'est vrai, tu as raison. On en parlait. Donc vous avez vu sa méthode, hein, il produit de la division inlassablement entre tous ceux qui l'entourent et qui sont à sa disposition, ce qui fait qu'ils vivent tous dans une insécurité totale. Et quand il les accouple, c'est-à-dire quand il fait travailler ensemble deux personnes, il y a toujours un honnête homme et un coquin. Même dans son fort intérieur, Philippe-Marie prend ses assurances à la fois dans deux philosophies opposées. Il croit aux astres et à une aveugle fatalité. Et en même temps, il invoque la protection de toute une légion de saints. Alors, cette foi dans les astres, c'est un fait important de l'historiographie artistique. C'est-à-dire que ce qui va vraiment changer le regard sur la Renaissance du XVe siècle, c'est en grande partie, bon, il y a le texte de Burckhardt, mais il y aura Warburg aussi, la façon dont il va interroger la société ferrarese, et notamment à travers les fresques de la Villa Schifanoia, la manière dont celle-ci entretenait des rapports étroits avec l'astrologie
et avec toutes sortes de comment on pourrait dire ça, d'ésotérisme qui irait plutôt bonne presse dans une cour, qu'on a voulu voir longtemps, quand on a longtemps on a décrit avant que comment les intellectuels, chercheurs et les nouveaux historiographes du 19e et du début du 20e ne décident de mettre leur nez un peu plus précisément dans les détails de la vie quotidienne de ces régions. Longtemps, on les a décrits comme si chevillés à l'idée rationaliste, naissante, hein, une espèce d'image de la connaissance très associée. Rationaliste, c'est un peu exagéré, le terme est un anachronisme à cet endroit-là, mais disons une certaine idée d'un humanisme. D'un humanisme forcément guidé par la raison, même si ça n'est pas par le rationalisme, mais par la raison. On n'acceptait pas l'idée qu'ils aient pu s'embourber dans des fétichismes ésotériques ridicules ou des superstitions grotesques. Et quand ces textes apparaissent, Durkheim ou ceux de Warburg, on voit apparaître une société beaucoup plus diaprée, beaucoup plus complexe et intriquée, qui s'intéresse à toute modalité de la connaissance, finalement, sans les disjoindre, comme on le fera plus tard, justement, à la période rationaliste, après les Lumières. Alors, peut-on être un charlatan quand on n'a rien à vendre ? Est-ce que c'est forcément lié avec la question de l'argent ? Parce qu'on a toujours quelque chose à vendre, hein, en fait. Si, c'est pas forcément une question d'argent, mais par exemple, quand les rebouteux à la campagne rendent des services, comme passer le feu ou des choses comme ça, ou toutes sortes d'activités plus ou moins ésotériques, certes, ils n'en requièrent pas de l'argent, mais ils en requièrent un statut particulier dans le village. C'est le cas dans mon coin, dans mon bled, quoi. Ça peut être ça, le statut symbolique, ça peut être une place forte quand même. Hein. C'est quelque chose qui est pas mal décrit par Jeanne Favre-Saada dans son très bel essai « Les mots, la mort, les sorts », hein, quand elle a vu un peu les magiciens et jeteurs de sorts du bocage. Elle décrit ça, les enjeux de pouvoir qui se tissent dans même quand il n'y a pas d'argent en jeu. C'est fort de vendre rien, oui. Là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait rien, quoi. Est-ce que la question n'est pas répondue par Yves Klein ? Le point Yves Klein, on pourrait... Ah, vraiment ? Alors, il vend rien contre rien, finalement, quand même. Hein, puisque, certes, il y a trafic d'or, hein, mais il est balancé à la Seine. Donc, c'est une opération un peu particulière. Alors, est-ce qu'on doit considérer Klein comme un charlatan ? Pas comme peintre, je dirais, même si un peu, après tout, mais le fait qu'il fût rosicrucien, quand même, ça en fait, sinon un vrai charlatan, au moins un charlatanisé de compétition, hein, ce que je disais, avant de me couper une fois de plus. Ah oui, on parlait de la méthode de Philippe Marie à l'intérieur du pouvoir. Donc il croit aux astres et à une aveugle fatalité, et en même temps il invoque la protection de toute une légion de saints. L'un n'empêche pas l'autre. Il lit des auteurs anciens et se fait lire des romans de chevalerie français. Enfin, ce même homme, il est postmoderne, en fait. C'est ça, Philippe Marie de Milan était postmoderne. Enfin, ce même homme qui ne voulait jamais entendre parler de la mort, et qui faisait disparaître du château jusqu'à ses favoris mourants, afin que le trépas de personne ne vint attrister un séjour voué à la joie, ce même homme a hâté volontairement sa fin, en laissant se fermer une plaie, et en refusant de se laisser pratiquer une saignée, et il est mort avec noblesse et avec dignité. Son beau-fils, et enfin son héritier, l'heureux condottiere François Sforza. Donc les Sforza, c'est vraiment une famille importante, hein, à Milan. Pour ceux qui connaissent un peu la ville, vous connaissez, j'imagine, le Palazzo Sforzesco, le palais des Sforza qui est en plein milieu de la ville, qui est une incroyable construction sur une espèce de plan étoilé, un petit peu comme les espèces d'architecture défensive de Vauban.
Sforza était peut-être, de tous les Italiens, l'homme tel que le XVe siècle les préférait. Jamais on n'avait vu un triomphe plus éclatant du génie et de la force individuelle. Même ceux qui n'étaient pas disposés à lui reconnaître ses qualités ne pouvaient s'empêcher d'admirer en lui un favori de la fortune. Milan était flatté d'avoir à sa tête un prince aussi célèbre. Lorsqu'il était entré dans sa capitale, le peuple l'avait porté à cheval dans la cathédrale, sans souffrir qu'il mît le pied à terre, sans supporter l'idée si vous préférez. Donc on l'aurait porté à cheval, avec son cheval dans la cathédrale. Alors il faut savoir que ça n'a rien de si étonnant un cheval dans une cathédrale à ce moment-là. En fait, les nobles rentraient à cheval dans les églises au XVe siècle. Voilà. Je voulais rester level 33 comme Jésus. Ah oui, tu es passé au 34, désolé Solarius. Si on s'appelle René, qu'on a quelques dons, peut-être bien. Ça vous fait marrer, visiblement. Mais c'était assez fascinant, hein, cette histoire. Il y a... c'est Warburg dans ses écrits florentins. Ça, je vous en lirai probablement. J'avais fait un petit live sur le palais Schifano et à Ferrara. Mais il y a un très joli texte sur les voti, les statuettes de cire à l'effigie des notables de Florence qui commençaient à envahir les cathédrales, mais qui pendaient de partout au plafond et qui étaient démesurées, où ils étaient représentés à l'échelle avec leurs chevaux. Et régulièrement, les gens se prenaient des bouts de cheval de cire sur la gueule. Ça devenait dangereux pour tout le monde, la visite des églises. Bon, voilà. Voyons le bilan de sa vie, tel que l'a dressé le pape Pie II, qui se connaissait en pareille matière. Alors là, texte de Pie II. En 1459, lorsque le duc vint à Mantoue pour assister au congrès des princes, il était âgé de 60 ans, ou plutôt 58. À cheval, on l'aurait pris pour un jeune homme. Il était de stature imposante, sérieux, calme et affable. Une distinction souveraine éclatait dans toute sa personne. Il offrait la réunion la plus complète des avantages extérieurs et des dons de l'esprit. Jamais il ne connut la défaite. Tel était l'homme qui, d'une humble condition, s'éleva jusqu'au trône. Sa femme était belle et vertueuse, ses enfants étaient gracieux comme les anges du ciel. Il était rarement malade. Le succès couronna ses vœux les plus chers. Pourtant, il paya son tribut à la mauvaise fortune. Sa femme tua par jalousie la maîtresse qu'il aimait. Deux amis, anciens compagnons d'armes, le quittèrent pour servir le roi Alphonse, donc de Naples. Il lui fallut en faire pendre un autre, Ciarpolone, qui s'était rendu coupable de trahison. Son frère Alexandre excita les Français contre lui. Un de ses fils se laissa entraîner dans un complot et fut arrêté. Il perdit par une défaite la marche d'Ancône, qu'une victoire lui avait pourtant donnée. Personne ne jouit jamais d'un bonheur absolument sans mélange. Celui-là seul est heureux, qui n'a pas trop à souffrir des atteintes de la fortune. Alors, en discutant avec ton père dans le lot, il te disait Mordicus qu'un vieux du village était rebouteux avec sa marche. En discutant avec, j'ai appris qu'il faisait même ça par photo. On n'arrête pas le progrès. Oui, oui, tout à fait. Par téléphone aussi, ça se fait pas mal. Hein. Donc c'est par cette définition négative que le savant pontife termine son portrait. Cette définition, celui-là seul est heureux qui n'a pas trop à souffrir des atteintes de la fortune. En gros, méfiez-vous des illusions qui semblent vous gratifier d'un grand succès. Le prix à payer est toujours trop lourd. S'il avait pu entrevoir l'avenir ou voulu examiner les conséquences du pouvoir absolu en général, il aurait été certainement frappé du danger résultant de l'absence de garantie que présentait la famille du duc. Ses enfants, beaux comme des anges, qui de plus avaient reçu l'éducation la plus complète et la plus soignée, une fois parvenus à l'âge d'homme, dégénérèrent entièrement sous l'influence d'un égoïsme sans bornes. Évidemment.
Marie Galéas, donc 1466-1476, donc on avance dans le 15e siècle, prince remarquable par des qualités tout extérieures, était fier de sa belle main, des grandes sommes qu'il payait à ses serviteurs, du crédit dont il jouissait, des 2 millions de florins d'or que son trésor contenait, de son brillant entourage, de l'armée qu'il entretenait, de sa belle fauconnerie. Il aimait à s'entendre parler parce qu'il parlait bien, et jamais peut-être sa parole n'était plus abondante que lorsqu'il pouvait dire à un ambassadeur vénitien des choses blessantes. Mais parfois, il lui prenait de singulières fantaisies. C'est ainsi qu'il voulut dans une seule nuit faire peindre toute une salle à fresque. Donc on imagine le type aller faire chier un atelier en disant « Bon, maintenant tous au boulot, j'avais une fresque en une nuit. Hein ? Allez ! Allez les grouillots, au boulot. » Il eut aussi d'horribles accès de cruauté, frappa quelques-uns de ses propres parents et se livra à de monstrueux excès. Quelques exaltés trouvèrent qu'il avait tous les défauts d'un tyran. Ils le tuèrent et livrèrent ainsi l'État aux mains de ses frères, dont l'un, Ludovic le Mort, s'empara de toute l'autorité sans tenir compte de son neveu, qui l'oublia dans un cachot. C'est à cette usurpation que se rattache l'intervention des Français et le malheur de toute l'Italie. Donc l'usurpation par Lodovico il More. Alors c'est quoi la blague des mauvais goûts? Bien sûr, car bouteux ça marche, sauf s'il n'a pas de jambes, dans ce cas ça rampe. Ou ça va. Comme prince, le mort est la figure la plus caractéristique du temps et nous apparaît ainsi comme le produit naturel de son époque. À ce titre, nous ne saurions le condamner d'une manière absolue. Les moyens dont il se sert attestent l'immoralité la plus profonde, mais il les emploie avec une parfaite naïveté. On l'aurait probablement fort étonné si on avait voulu lui faire comprendre qu'il existe une responsabilité morale portant non seulement sur le but, mais aussi sur les moyens. Peut-être même se serait-il fait un mérite tout particulier d'avoir évité autant que possible les exécutions sanglantes. Manque pas d'humour, Burckhardt. À ses yeux, l'incroyable respect que les Italiens professaient pour sa force politique était un tribut légitime. Il disait encore en 1496 que le pape Alexandre était son chapelain, l'empereur Maximilien son condottiere, Venise son chambellan, le roi de France son courrier, qui était obligé d'aller et de venir au gré de sa fantaisie. Même réduit à la dernière extrémité, donc à la fin de son règne, quoi. Et à la fin de sa vie, 1499, il calcule encore avec un sang-froid parfait les chances qu'il lui reste d'échapper au danger, et la bonté naturelle au cœur humain lui inspire une confiance qui l'honore. Il décline l'offre du cardinal Ascanio, son frère, qui lui propose de défendre jusqu'au bout le château de Milan, parce qu'ils ont eu autrefois des graves démêlés ensemble. « Monseigneur, lui dit-il, pardonnez-moi si je n'ai pas confiance en vous, bien que vous soyez mon frère. » Bon, déjà, il avait choisi pour commander le château cette garantie de son retour, un homme auquel il avait toujours fait du bien et jamais de mal. Et celui-ci n'en livra pas moins le château. Ça a raté. Un reboiteux. Tu t'y mets aussi à faire des calembours pourris, ah bah bravo. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Moi, c'est marrant. Il n'y a pas de commande aujourd'hui. Allez comprendre pourquoi. Comment ça se fait? Ça marche plus? Ah bah non. Je ne cherche pas. On s'en fout. C'est pas grave. À l'intérieur, le Maure s'efforça de régner en s'inspirant des intérêts de ses sujets. Aussi croyait-il pouvoir compter à Milan et en dernier lieu à Côme sur l'affection dont il était l'objet. Cependant, depuis l'année 1496, il avait imposé le pays outre mesure. Et à Cremona, par exemple, il avait fait étrangler, secrètement, par mesure politique, un citoyen notable qui s'était plaint de nouveaux impôts. Aussi, depuis ce moment, tenait-il à distance ceux qui venaient lui présenter des requêtes. Il était séparé d'eux par une barre, ce qui obligeait les gens à parler très haut pour se faire entendre. Mais à sa cour, qui était la plus brillante de toute l'Europe depuis que la cour de Bourgogne n'existait plus, on voyait régner l'immoralité la plus profonde. Le père livrait sa fille, le mari sa femme, le frère sa sœur. Le prince, du moins, resta toujours actif,
et comme fils de ses œuvres, il se trouva tout naturellement rapproché de ceux qui devaient également leur situation à leur haute faculté intellectuelle, tels que les savants, les poètes, les musiciens et les artistes. L'académie fondée par lui a pour mission de servir le prince et non de former des jeunes gens. Donc c'est la période, hein, 15e, on voit fleurir les académies. C'est le cas à Florence. Hein. Les grandes villes se dotent d'une espèce de cercle intellectuel où on forme les artistes. Aussi a-t-il besoin non de la gloire des membres qui la composent, mais seulement de leur lumière et de leurs travaux. Il est certain qu'au début, Bramante fut maigrement rétribué. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la peinture de Bramante. C'est un petit génie. Je n'ai pas prévu de quoi vous montrer des images, mais si vous voulez, on pourra faire un petit saut. Si on note, on peut regarder ensemble, si on met de côté le nom des artistes dont il est question, allez voir un petit peu après ce qu'ils ont fait. On voit quelques images. Cependant, Léonard de Vinci reçut régulièrement jusqu'en 1496 un traitement considérable. Il était milanais, vous vous souvenez. D'ailleurs, qu'est-ce qui aurait pu le retenir à cette cour s'il n'avait pas voulu y rester? Évidemment, il est demandé partout. Il est particulièrement chéri comme artiste. Le monde lui était ouvert, comme peut-être à n'importe lequel des artistes d'alors. Et si quelque chose prouve que Ludovic le Mort était une nature supérieure, c'est précisément le long séjour de ce grand maître à la cour de Milan. Ou peut-être des moyens de pression de Ludovic le Mort, je ne sais pas. Si plus tard, Léonard de Vinci a servi César Borgia et François Ier, c'est qu'il a peut-être été séduit aussi par le caractère extraordinaire de ces deux hommes. Ludovic le Mort laissait des fils qui avaient été élevés par des étrangers. L'aîné, Maximilien, ne lui ressemble plus du tout. Le plus jeune, François, n'était du moins pas incapable de s'élever à une certaine hauteur. Milan, qui à cette époque changea si souvent de maître et qui souffrit cruellement de ses fluctuations politiques, chercha du moins à se garantir contre les réactions. En 1512, lorsque les Français se retiraient devant l'armée de la Sainte Ligue et de Maximilien, ils accordèrent aux Milanais des lettres au terme desquelles ceux-ci n'avaient pris aucune part à leur expulsion et pouvaient, sans commettre le crime de rébellion, se donner à nouveau vainqueurs. Leur attitude politique découle parfois du fait que lorsque des changements de cette nature se produisaient, la malheureuse ville devenait ordinairement la proie de quelques bandes de malfaiteurs, appartenant quelquefois au premier rang même de la société, et subissait ainsi le même sort que Naples, par exemple, lorsque les princes d'Aragon furent obligés de s'enfuir. Donc ça arrive assez souvent lors de renversements. Ferrare n'a pas échappé en fait, à cette fin sinistre et tragique faite de nombreux pillages. Alors, vous êtes en train de vous livrer à une lecture des académies contemporaines, c'est ça. Doigt d'honneur à la licorne. Sur une des images, je crois que ça c'était une image de Santa Susa, pas loin de la frontière. Dans la seconde moitié du XVe siècle, nous trouvons deux principautés particulièrement remarquables par la sagesse et par les talents des souverains qui les gouvernent. Donc on va changer de crèmerie, on va quitter Milan. Donc on a assisté à la fin du Milan gouverné par cette dynastie. Avec la victoire de la Sainte Ligue et de Maximilien Ier. On va passer à d'autres villes importantes à ce moment-là. Ce qui est intéressant dans ce petit descriptif, même si bon, ça, on ne sort pas tellement des lieux du pouvoir, mais c'est aussi de voir le caractère hétérogène de cette construction italienne et aussi de blesser un petit peu l'image du XVe siècle italien comme une espèce de d'hégémonie, de la finesse, du raffinement. Même si on a écrit 2000 histoires depuis, on sait bien que ça n'existe pas, des pouvoirs de cette forme, ça reste assez fort collé quand même. Il y a comme un réflexe instantané qui se met en place dès qu'on se réévoque l'Italie de la Renaissance, une espèce d'image terriblement améliorative, exagérément grandie par l'histoire, hein.
Donc là, on lit cité par cité, dynastie par dynastie, comment à l'intérieur ça se constitue, et c'est pas ça. Hein. C'est des nids d'intrigue et de vipères. Dans la seconde moitié du XVe siècle, nous trouvons deux principautés particulièrement remarquables, par la sagesse et par le talent des souverains qui les gouvernent. Ce sont celles des Gonzague, de Mantoue, hein, et des Montefeltro. La famille des Gonzague était assez unie. Depuis longtemps, elle n'avait pas été ensanglantée par le meurtre, et elle pouvait montrer ses morts. Malgré certains... Elle pouvait montrer ses morts, je veux dire par là... ça veut dire par là, je suppose... Que ne plane pas sur ces morts de lourds soupçons d'intrigue, d'assassinat. Aucune d'entre elles n'est une mort honteuse. On peut les exhiber sans que soit questionnée leurs conditions. Malgré certaines traces de légèreté de mœurs, le marquis François de Gonzague et sa femme Isabelle d'Est ont été en somme un couple respectable et uni. Ils ont élevé des fils remarquables en un temps où leur état, important malgré sa petitesse, couraient souvent les plus grands dangers. Ni l'empereur, ni les rois de France, ni Venise n'auraient eu l'idée de s'attendre à ce que François suivît, comme prince et comme condottiere, une politique tout à fait honnête et loyale. Mais du moins, depuis la bataille du Taro, donc en 1495, il sentit en lui le patriotisme italien et sut communiquer ses sentiments à son épouse. À partir de ce moment, tout acte de fidélité héroïque, tel que la défense de Faenza contre César Borgia, par exemple, apparaît à cette femme remarquable comme une réhabilitation de l'Italie. Nous n'avons pas besoin d'appuyer notre jugement sur l'autorité des écrivains et des artistes qui payaient largement la protection de la belle princesse. Ces lettres nous prouvent assez qu'elle se possédait en toutes circonstances, qu'elle avait un véritable talent d'observation et qu'elle était d'une amabilité sans égale. Bembo, Vandello, L'Arioste et Bernardo Tasso envoyaient leurs travaux à cette cour. Donc Bernardo Tasso, c'est le Tasse, un poète important. L'Arioste, c'est lui qui a écrit Orlando Furioso, Roland Furieux. Bembo, c'est un typographe, rédacteur, éditeur important. Et Vandello, ça me dit plus rien, j'ai un trou de mémoire. Montrer ses morts, ça doit sentir mauvais quand même, oui. Bah, sur certaines photos qui passent, vous voyez quand même pas mal de morts embaumées, donc on pouvait montrer ses morts sans que ça ne pue. Ils envoyaient leurs travaux à cette cour, bien qu'elle fût petite et sans influence, et que souvent, la caisse fût vide. Donc la petite cour de Mantova, de Mantoue. Depuis que l'ancienne cour d'Urbain n'existait plus, on ne retrouvait nulle part une société plus élégante que celle-là. Même la cour de Ferrare était éclipsée par elle en un point capital, la liberté des allures. Isabelle se connaissait très bien en œuvre d'art. Aussi, pas un amateur ne lira-t-il sans un vif intérêt le catalogue de sa petite mais précieuse collection. On passe à Urbino. Très bon bricoleur, monsieur Tasso. Ah, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs avec les animations de chaîne? Pourquoi on a un petit problème là? Normalement, ça doit fonctionner, ça. Ah, bah voilà. Faut le faire manuellement maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais tout se barre en couille. Hein. Urbain possédait un prince des plus remarquables dans la personne du grand Frédéric. Donc là, on est au milieu du XVe siècle. Peu importe d'ailleurs qu'il soit un vrai Montefeltro ou non. Comme condottiere, il est resté encore 30 ans après avoir obtenu la couronne, servant tour à tour les rois et les papes. Il avait la moralité politique de ses pareils, ce dont ils ne sont qu'à moitié responsables. Comme souverain d'un petit pays, il n'avait d'autre politique que de dépenser dans son duché la solde qu'il avait gagnée à l'étranger, et d'imposer ses sujets aussi peu que possible. C'est de lui et de ses deux successeurs, Guidobaldo et François-Marie, qu'on disait « Ils bâtirent de beaux édifices, favorisèrent la culture du sol, vécurent dans le pays même et payèrent une foule de serviteurs. Le peuple les aimait. »
C'était pas seulement l'État, mais encore la cour, qui présentait à tous les égards le spectacle d'un mécanisme régulier et savant. Frédéric entretenait 500 serviteurs. Les dignitaires de la cour étaient aussi nombreux que ceux qui entouraient les souverains les plus puissants. Mais on gaspillait rien. Tout avait son but. Toutes les dépenses étaient exactement contrôlées. À Urbain, on ne jouait pas. On n'y entendait ni blasphème, ni rodomontade. C'est que la cour devait être en même temps une école d'éducation militaire pour les fils d'autres grands seigneurs, et le succès de cet établissement était une question d'honneur pour le duc. Il y avait des palais, plus beaux que celui qu'il se fit construire, mais au point de vue de la disposition, il n'y en avait pas de plus classique. C'est là qu'il réunit sa célèbre bibliothèque, le plus précieux de ses trésors. Alors, le Studiolo d'Urbino, c'est effectivement un cabinet extrêmement célèbre. Je vais noter son nom juste pour qu'on aille voir le Studiolo et on trouvera des images, mais ça devrait vous plaire. C'est un exemple assez remarquable de Studiolo. Studiolo Urbino. J'ai dit quoi qu'on irait voir Bramante tout à l'heure aussi. Entre deux. Entre deux chapitres, on va faire ça. D'accord ? On va voir quelques images. Il y avait des palais plus beaux que celui qu'il se fit construire. Mais au point de vue de la disposition, il n'y en avait pas de plus classique. C'est là qu'il réunit sa célèbre bibliothèque, le plus précieux de ses trésors. Comme il le sentait en parfaite sécurité dans un pays où tout le monde trouvait grâce à lui de l'argent à gagner et où personne ne mendiait, il sortait toujours sans armes et presque toujours sans escorte. Alors sur son Studiolo, il y a un article qui est pas mal du tout, justement, de Arras. C'est un truc qu'on pourrait lire ensemble. Regardez un peu quelques images, un de ces quatre du Studiolo, et de lire ce texte qui est assez fameux. Aucun autre prince n'aurait pu, comme lui, se promener dans des jardins sans clôture, prendre son frugal repas dans une salle ouverte à tous les regards, pendant qu'on lui lisait des pages de Tite Live, donc un historien romain, hein, ou pendant le carême des ouvrages de piété. Dans la même après-midi, il écoutait la lecture d'un auteur ancien et allait ensuite au couvent des Clarisses pour s'entretenir, à travers la grille du parloir, du sujet religieux avec la supérieure. Alors, l'ordre des Clarisses, c'est un ordre mendiant. Il s'agit de Sainte-Claire, hein, l'ami de François d'Assise. Hein. C'est l'ordre féminin, finalement, contemporain, et on pourrait dire le double féminin du franciscanisme. Hein. Les Bramantes tombent. Oh, bravo, Solarius. Oh. Oh. What an incredible calembour. Ah, ça y est. Bon, ça remarche, ça. Bon, bah, faut pas chercher. Le soir, il aimait à diriger les exercices corporels des jeunes gens de sa cour dans la prairie voisine de San Francesco, d'où l'on découvrait une vue splendide et s'occupait à développer chez eux la vigueur et l'agilité. Il prenait à tâche d'être affable envers chacun et abordable pour tous. Il allait voir dans leurs ateliers les ouvriers qui travaillaient pour lui, donnait continuellement des audiences et faisait droit dans la journée, si c'était possible, aux requêtes des solliciteurs. Aussi, quand il passait dans les rues, le peuple se jetait à genoux devant lui et criait « Dio ti mantenga, signore ». Le monde éclairé l'appelait « la lumière de l'Italie ». Son fils, Guidobaldo, qui possédait des grandes qualités, mais qui eut à lutter constamment contre la maladie et le malheur, finit cependant par remettre son état entre des mains sûres. Il laissa le pouvoir à son neveu, François-Marie, qui était en même temps neveu du pape Jules II. Donc, le pape Jules II, je suppose que vous le connaissez au moins de nom, puisque c'est pour son tombeau que Michel-Ange a travaillé autant, parce qu'il a rendu... Il est plus célèbre pour son tombeau, je pense, que par ses œuvres, en tout cas, chez la plupart des gens. Et ce prince empêcha du moins le duché de tomber sous une domination étrangère. Ce qui est remarquable, c'est l'habileté avec laquelle ces deux princes savent se dérober successivement aux coups de César Borgia et de Léon X. Ils ont la certitude que leur retour sera d'autant plus facile et que leurs sujets le désireront d'autant plus que le pays aura moins souffert par la suite d'une inutile résistance. Si Ludovic le Mort faisait les mêmes calculs, il oubliait, lui, par contre, tous les autres motifs de haine qui rendaient son retour si difficile. La cour de Guidobaldo a été immortalisée comme l'école de la suprême élégance par Balthazar Castiglione,
qui a composé l'églogue de Tircis au début du XVIe, en l'honneur de cette société brillante, et qui plus tard a choisi les personnages de son courtisan dans le cercle de la savante et spirituelle duchesse, donc la duchesse de Gonzague, Élisabeth de Gonzague. Alors la maison d'Este, hein. La maison d'Este, c'est celle qui va gouverner Ferrare. Je pense qu'on va, passer à Ferrare là. Maison importante et assez passionnante. Alors si vous êtes là le soir où il y aura le live chez le Flot de l'Histoire, il y sera beaucoup question d'Este. Parce que c'est un endroit où je m'attarde, enfin de la famille d'Este, je m'attarderai à Ferrare et à ce qui se développe là-bas. Comme forme d'art très particulière. Le gouvernement de la maison d'Est se distingue par un singulier mélange de despotisme et de popularité. Alors, ce qu'il dit, c'est que ce qui a été écrit par la suite est beaucoup tiré des Annales Estenses dans Muratori. Et le Diario Ferrarese, donc le journal Ferrare, également dans Muratori. Alors moi, je ne connais pas Muratori. Donc, je ne connais pas la source principale de Burckhardt pour écrire ce passage. C'est ça, Solarius, exactement. Dans l'intérieur du palais, à Ferrare, se passent des scènes épouvantables. Une princesse, soupçonnée d'avoir commis le crime d'adultère avec un fils né d'un autre lit, est décapitée. Des princes, légitimes aussi bien qu'illégitimes, s'enfuient de la cour et sont menacés même à l'étranger par les coups des assassins envoyés à leur poursuite. Qu'on ajoute à ça des complots continuels tramés au dehors, le bâtard d'un bâtard qui veut détrôner le seul héritier légitime. Et plus tard, ce dernier empoisonna, dit-on, sa femme, après avoir découvert qu'elle voulait l'empoisonner lui-même. Elle était, à ce qu'on prétend, poussée à ce crime par son frère Ferrand de Naples. La dernière de ces tragédies, c'est le complot ourdi par deux bâtards contre leur frère, le duc régnant Alphonse Ier et le cardinal Hippolyte, donc au début du XVIe, complot qui fut découvert à temps et puni de la réclusion perpétuelle. Et autant vous dire que la réclusion perpétuelle, c'est pas ouf. Hein. J'ai visité les geôles du château de Ferrare. Je pense qu'un prisonnier contemporain tient une semaine, en fait. Hein. Je ne sais pas quel genre de titan étaient les gens du 15e siècle. Mais non, on ne peut pas vivre dans ces choses-là. Alors, tu as loupé la date du live ou on ne l'a pas? Vous ne l'avez pas encore, hein, anticapacitiste. C'est le 21 novembre, je crois. Donc, il y a le temps. Hein. Ouais, il y a le temps. D'ici là, il y aura autre chose. Je fais un live avec Andalis jeudi sur Leibniz, langue et langage à l'époque de de l'encyclopédie. Ça peut être pas mal. D'autre part, le système fiscal est très sévère, nécessairement dans ce duché, parce qu'il est le plus menacé de tous les États, grands et moyens d'Italie, et qu'il a besoin d'armements considérables et de nombreuses places fortes. Sans doute, le bien-être du pays dut s'accroître à mesure que le chiffre des impôts s'éleva. Ainsi, le marquis Niccolo exprimait-il le vœu formel que ses sujets devinssent plus riches que les autres peuples. Si l'accroissement de la population prouve l'accroissement réel de la richesse publique, il faut en effet considérer comme un fait important qu'en 1497, malgré l'agrandissement considérable de la capitale, on ne trouve plus de maisons à louer. Ferrare est la première ville moderne d'Europe. C'est là qu'on voit pour la première fois, sur un signe du prince, s'élever des quartiers immenses et réguliers. Alors, je ne sais pas si c'est encore un point de chute fréquent chez les gens qui veulent visiter l'Italie et découvrir la Renaissance italienne, par exemple. Je crois qu'elle est un peu négligée. Et vraiment, si ce n'est pas la ville qui vous saute à l'esprit, comme ça, quand vous pensez à faire un voyage en Italie, faites ça. Allez passer une semaine ou deux à Ferrare, si vous pouvez le faire. C'est tout à fait incroyable. C'est vraiment une ville d'une richesse inouïe, comme plaisir artistique, une promesse de choc esthétique constant, et c'est aussi un lieu de vie quotidien avec un rythme très très particulier. C'est une ville intégralement piétonne. Donc dès que vous passez l'enceinte, il n'y a que des bicyclettes. Donc vous êtes dans une espèce de calme et de douceur permanente. C'est d'une beauté à tomber. C'est vraiment une ville très impressionnante.
Et les collections sont très belles. Hein. Le Palazzo dei Diamanti est un endroit sublime. Il faut aller voir toutes les petites villes et toutes les petites églises, comme San Antonio in Polesine ou le Palais Schifanoia, dont on parlait tout à l'heure, avec l'incroyable école d'Est. Ça vaut vraiment le coup. C'est là que se forme une population d'élite. Ferrara, Van der Spoeg. Donc c'est à l'est, enfin au nord-est de l'Italie. Nord-est. C'est là que se forme une population d'élite grâce à la concentration d'un monde de fonctionnaires sur un même point et à la présence de nombreux industriels attirés par toutes sortes de privilèges. De riches exilés, surtout des Florentins, viennent demander l'hospitalité à Ferrare et y construisent des palais. Mais d'autre part, les impôts indirects étaient écrasants. Il est vrai que le souverain montrait une certaine sollicitude pour son peuple. Et à l'exemple d'autres princes italiens, Marie Galéa Sforza, donc à Milan, hein, en cas de disette, il faisait venir des blés étrangers et les distribuait gratuitement, à ce qui paraît. Mais en temps ordinaire, il se dédommageait par le monopole, sinon du blé, du moins de beaucoup d'autres denrées alimentaires, telles que les viandes salées et le poisson. Il se réservait aussi le droit de vendre seul les fruits et légumes qu'il faisait cultiver avec soin sur les remparts et sur les glacis de Ferrare. On peut dire qu'il tient sa population par l'estomac, quoi. La source la plus importante de ses revenus était la vente des charges publiques, dont les titulaires étaient renouvelés tous les ans. Donc, à l'époque, tout est prétexte à fabriquer des charges, hein. C'est-à-dire que tous les postes ne sont obtenus que par l'argent, et pas du tout par des compétences. C'est toujours le cas pour les notaires, je crois, hein. C'était un usage répandu dans toute l'Italie. Seulement, c'est sur Ferrare que nous avons les renseignements les plus exacts et les plus précis. Ce qui s'est passé à Ferrare est un fait rare. Non, cela juste. Non. À propos du commencement de l'année 1502, par exemple, on dit « La plupart des charges ont été achetées à des prix salés, salati ». Donc l'expression existe aussi en français et en italien. Donc on cite des fonctionnaires de différents ordres, des receveurs des douanes, des administrateurs des domaines, des notaires, des podestats, des juges et même des capitaines, c'est-à-dire des gouverneurs des villes et de provinces. Au nombre de ces mangeurs de gens qui ont payé cher leurs charges et que le peuple déteste plus que le diable, on nomme Tito Strozza, qui n'est pas, nous voulons bien le croire, le célèbre poète latin. À la même époque, les ducs avaient l'habitude de faire en personne un tour dans Ferrare, ce qu'on appelait andare per ventura, pour se faire donner des présents, au moins par les gens aisés. Toutefois, ce genre de contribution était payé non en argent, mais en nature. Mon Dieu. Salut Klein Maus, schönen Abend. Faire son roux à Ferrara, ça le fait rarement. Oh mon Dieu. Le duc était fier de se dire que dans toute l'Italie, on savait qu'à Ferrare, les soldats touchaient régulièrement leurs soldes, que les professeurs des universités étaient toujours payés à jour fixe, qu'il était rigoureusement interdit aux soldats de rançonner les bourgeois et les paysans, que Ferrare était imprenable et que le château renfermait une somme énorme d'argent monnayé. Il n'était pas question de caisses séparées. Le ministre des Finances était en même temps ministre du Palais. Les constructions exécutées par Borso, donc 1430-1471, par Hercule Ier ensuite, donc jusqu'au début du XVIe, et Alphonse Ier, jusqu'au premier tiers du XVIe, étaient très nombreuses, mais généralement peu considérables. Le fait s'explique par les habitudes d'une maison qui, malgré son amour du luxe, Borso ne se montrait jamais que vêtu de brocart d'or et couvert de bijoux, ne voulait pas s'engager dans des dépenses illimitées. Du reste, Alphonse savait par expérience que ces élégantes petites villas, le Belvédère avec ses jardins ombreux, Montana avec ses belles fresques et ses beaux jets d'eau, étaient soumises aux vicissitudes des événements. Donc, c'est peut-être pas la peine d'y foutre tout son pognon. Il est certain que les dangers perpétuels au milieu desquels il vivait développèrent chez ces princes une grande valeur personnelle. Dans une situation aussi difficile, il fallait être de première force pour assurer son existence. Et chacun était obligé de prouver par des faits qu'il était digne de commander. Leurs caractères ont tous des côtés peu favorables, mais on retrouvait dans chacun quelques éléments de ce qui constituait l'idéal des Italiens.
Quel prince de l'Europe a travaillé autant qu'Alphonse Ier, par exemple, à orner son pays? Son voyage en Angleterre, en France, dans les Pays-Bas, a été, à vrai dire, un voyage d'études, dont il revient avec une connaissance approfondie du commerce et de l'industrie de ces pays. Il est insensé de lui reprocher son goût pour les travaux de tourneur auxquels il se livrait pendant ses heures de récréation, attendu qu'il était aussi très expert dans l'art de fondre des canons et qu'il aimait à s'entourer de toutes sortes de maîtres. Donc visiblement, il lui a été reproché que c'est peut-être un travail considéré comme indigne pour un prince, hein, j'imagine, un travail de tourneur auquel il se livrait pendant des heures. Alors de quoi, qu'est-ce qu'il tourne? De la poterie? Je ne sais pas. Si quelqu'un veut chercher à quoi se livrait Alphonse Ier, donc j'imagine que c'est Alphonse de Naples. Les princes italiens ne sont pas réduits, comme leurs contemporains du Nord, à vivre avec une noblesse qui se considère comme la seule classe importante de la société et qui arrive à imposer ce préjugé au prince lui-même. Ici, le souverain peut et doit connaître et employer tout le monde. De même, la noblesse, bien qu'isolée de la foule par la naissance, ne fait attention dans les relations sociales qu'à la personne et non à la caste, comme on le verra plus bas. Les sentiments des Ferrare à l'égard de la famille d'Est offrent un singulier mélange de terreur secrète, d'affection extériorisée et de loyalisme moderne. L'admiration de l'individu fait place à un sentiment tout nouveau, celui du devoir. J'ai changé momentanément de lunettes, elles me font un peu mal là pour l'instant. Je les remettrai tout à l'heure. Au chapitre 2. Si j'ai du mal à lire le chat quand je fais ça. En 1451, voyons un peu ce que veut dire ce sentiment nouveau, celui de devoir. En 1451, la ville de Ferrare érigea sur la grande place au duc Niccolo, qui était mort en 1441, une statue équestre en bronze. Borso ne craignit pas de placer dans le voisinage sa propre statue en bronze, qui le représentait assis. De plus, dès le commencement de son règne, la ville décréta qu'on lui élèverait une colonne triomphale en marbre. Un Ferrare qui avait dit publiquement du mal de Borso à l'étranger, à Venise, est dénoncé à son retour et condamné par le tribunal au bannissement, quand même pas rien, hein, et à la confiscation de ses biens. Il était tourneur avec une certaine Tina. Merci Solarius pour cette précision. Honte sur toi. Peu s'en faut même qu'il ne soit tué par un honnête citoyen à la porte du tribunal. La corde au cou, il se rend chez le duc et obtient à force de supplication la remise de sa peine. En général, ce duché est pourvu de nombreux espions, et le duc en personne examine tous les jours la liste des étrangers que les hôteliers sont rigoureusement tenus de présenter au palais. Chez Borso, ce n'est que l'effet de son humeur hospitalière, qui ne veut laisser partir aucun voyageur de distinction sans le traiter avec honneur. Par contre, Hercule Ier faisait cette vérification que par mesure de précaution. Après Bologne aussi, on va passer à Bologne. Donc on reste dans le nord, hein. Qui est en Émilie-Romagne. À Bologne aussi, sous Jean II, Bentivoglio, il fallait à cette époque que chaque étranger de passage prit un bulletin d'entrée pour avoir le droit de sortir de la ville. Le prince devient populaire au plus haut degré quand tout à coup, il frappe sans pitié un fonctionnaire qui a abusé de son pouvoir. Quand Borso en personne arrête ses premiers, ses plus intimes conseillers, quand Hercule Ier destitue ignominieusement un percepteur qui pendant de longues années s'est gorgé de l'argent des contribuables. Dans ces cas-là, le peuple allume des feux de joie et sonne les cloches. Donc quand il reconnaît leur souverain, donc une espèce de forme d'honnêteté fondamentale ou de probité, oui. Une fois cependant, Hercule permit à l'un de ses fonctionnaires d'aller trop loin. Il s'agit de son préfet de police, le Capitaneo di Giustizia. C'est Gregorio Zampante de Lucca, car il eût été impossible. Alors Lucca, c'est comment, en Toscane. Ah, c'est en Toscane ou en Ombrie d'ailleurs? Ah ben merde, j'ai un trou.
Est-ce que Luca est en Ombrie ou en Toscane? Ben, Laurent, ben, je suis allé pas mal de fois. Je suis un foutu de vous dire, honte sur moi. Car il eût été impossible de confier à un indigène des fonctions de ce genre. Donc, la fonction de préfet de police. Même les fils et les frères du duc tremblaient devant cet agent. Les amendes qu'il infligeait n'allaient jamais à moins de quelques centaines ou quelques milliers de ducats, et il faisait mettre les accusés à la torture, même avant de les avoir entendus. Il se laissait corrompre par les plus grands criminels, et à force de mensonges, il leur obtenait la grâce du duc. Le peuple aurait volontiers payé au prince 10 000 ducats, et même davantage s'il avait destitué cet ennemi de Dieu et des hommes. Mais Hercule en avait fait son compère et l'avait nommé cavalier. C'est la merde. Dommage. Ouais, c'est pas vraiment le bon cheval, hein. Il est vrai que s'il ne mangeait plus que des pigeons élevés chez lui, il ne s'aventurait plus dans les rues sans une nombreuse escorte d'arbalétriers et de sbires. Zampante faisait bon an mal an 2 000 ducats d'économie. Il était temps de le faire disparaître. Aussi, deux étudiants et un juif baptisé, qu'il avait cruellement offensé, le tuèrent dans sa maison pendant qu'il faisait la sieste. Et sautant sur des chevaux tout près, ils traversaient la ville au galop en criant « Sortez de vos maisons, bonnes gens, courez, nous avons tué Zampante !» Je ne sais pas si c'est très malin de le gueuler à cheval à travers Ferrare, hein. D'autant que c'est pas très grand, enfin, et qu'il y a des murailles tout autour. Les hommes envoyés à la poursuite des meurtriers ne purent les rejoindre. Déjà, ils avaient franchi la frontière voisine. Ah, quand même. Ils s'y sont arrivés. À la suite de l'événement, il y eut naturellement un déluge de pamphlets sous forme de sonnets ou de chansons. C'était un derviche tourneur. Vous êtes resté sur le tourneur? Ah oui, ça vous plaît, ça. Ce qui, d'autre part, est tout à fait conforme à l'esprit de cette maison, c'est que le souverain impose à la cour et à la population la considération dont il honore ses serviteurs utiles. Lors de la mort de Ludovic Casella, conseiller intime de Borsot en matière littéraire, les tribunaux, les boutiques, les salles de l'université furent fermées pendant 24 heures à l'occasion des funérailles. Chacun fut obligé d'accompagner le corps jusqu'à San Domenico parce que le prince devait suivre le convoi. On vit en effet le premier prince de la maison d'Este, qui eut assisté à l'enterrement d'un sujet, vêtu de noir, suivre en pleurant le cercueil. Donc, il a pour ses serviteurs une considération qui fait fi hein, de la question du rang, comme ça a été dit. Alors, Alphonse Ier d'Este, tourneur et tourneau, tourna... Non, et je pensais que vous étiez vraiment allé chercher quelque chose. Vous ne faites aucun effort. Il n'y en a pas un, pas une, hein, qui a essayé de savoir ce qu'il foutait, Alphonse. Derrière lui venaient les parents de Casella, conduits par des seigneurs de la cour. Des gentilshommes portèrent le corps du roturier de l'église dans le cloître où il fut enseveli. En général, c'est dans ces États italiens qu'on trouve le premier exemple de ces manifestations officielles d'un peuple s'associant par ordre aux sentiments de ses princes. Respectables en principe, ces démonstrations sont généralement équivoques, surtout chez les poètes. L'une des poésies de jeunesse de l'Arioste, composée à l'occasion de la mort de Léonore d'Aragon, la femme d'Hercule Ier, contient déjà, outre les inévitables fleurs de rhétorique que tous les siècles prodiguent en pareil cas, quelques traits tout à fait modernes. Voyons ça. Vous avez cherché. Tu as cherché, Danimer. Ben, merci. Cette mort a porté à Ferrare un coup dont elle ne se relèvera pas de sitôt. La bienfaitrice de la ville sur la terre intercède maintenant pour elle dans le ciel, car ce monde n'était pas digne de la posséder. La mort ne s'est pas approchée d'elle avec cette faux sanglante dont elle menace les vulgaires humains. Elle est venue, décente et souriante, de manière à n'avoir plus rien de terrible. Voilà ce qu'écrivait l'Arioste. Parfois, nous rencontrons l'expression de sentiments d'une toute autre nature. Des nouvellistes qui ne vivaient que de la faveur de certaines maisons princières nous racontent les amours des princes quelquefois de leur vivant, et cela d'une manière qu'apparut au siècle postérieur le comble de l'indiscrétion, qui passait alors pour un innocent témoignage de reconnaissance. Des poètes lyriques allaient jusqu'à chanter les passions extra-conjugales de leurs nobles protecteurs.
C'est ainsi que Ange Policien célébra les amours adultères de Laurent le Magnifique et Giovanni Pontano, celle d'Alphonse de Calabre. Ce dernier poète met involontairement à nu l'âme basse et cruelle du prince aragonais. Il faut que, même sur ce terrain, il soit le plus heureux. Sans cela, malheur à ceux qui seraient plus heureux que lui. Les plus grands peintres, Léonard de Vinci par exemple, faisaient les portraits des maîtres des princes. C'est un fait qui n'a rien que de naturel. Quant aux princes de la maison d'Este, ils n'attendaient pas que d'autres leur décernassent l'immortalité, ils se la décernaient eux-mêmes. Borsso se fit représenter dans le palais Schifanoia, traversant les diverses phases de sa vie de souverain, et Hercule célébra pour la première fois en 1478 l'anniversaire de son avènement par une procession que les auteurs du temps comparèrent à celle de la fête Dieu. Alors il y a aussi le goût pour l'Antiquité, hein, enfin une Antiquité plus ou moins fantasmée, qui fait qu'on va revivifier l'idée qu'on se fait des triomphes romains. Donc on va rejouer au XVe siècle toutes sortes de triomphes, et dans le nord de l'Italie, ces triomphes d'ailleurs vont faire l'objet de représentations assez somptueuses, picturales. Il y a notamment dans l'œuvre de Mantegna, il y a des représentations très vives de ce goût pour le triomphe à ce moment-là, qui ensuite va s'installer assez durablement chez les souverains. C'est aussi quelque chose que vous retrouverez, cette référence-là de la gloire triomphale du souverain avec des cortèges et des fêtes dans le règne de Louis XIV. Une belle bande de péteux, moi je vous le dis. Toutes les boutiques étaient fermées, donc le jour de la procession, enfin du triomphe en question, comme un jour de dimanche. Au milieu du cortège marchaient tous les princes de la maison d'Est, même les bâtards vêtus de brocart. L'idée que toute puissance, que toute dignité émane du prince, qu'elle est de sa part une distinction personnelle, était depuis longtemps symbolisée à cette cour par un ordre de l'éperon d'or, qui n'avait plus rien de commun avec la chevalerie du Moyen-Âge. À l'époque, Hercule Ier ajouta encore une épée, un manteau brodé d'or et une donation. Tout ça entraînait certainement l'obligation de rendre au prince des hommages réguliers. Alors, il défilait pas en char quand même. Si on reconstruisait complètement le triomphe à la romaine, avec des chars fleuris, avec des cortèges, des musiciens et toutes ces sortes de choses. Alors, tu as cherché et vu le lien avec la fabrication de canons dans le contexte. T'imagines qu'il soit un possible lien avec la machine-outil encore appelée tour. Bon, on est au XVe siècle, hein, donc prudence avec les hypothèses techniques sur le XVe. Hein. Oui, non, précisément, Suze. Je ne crois pas. Écoutez, je chercherai ce qu'on pouvait appeler un tourneur au XVe siècle. La protection accordée au mérite, qui a fait la gloire de cette cour, s'étendait à l'université, qui était une des plus complètes de l'Italie et aux serviteurs de la cour et de l'État. Elle entraînait à peine pour le prince des sacrifices particuliers. Comme riche gentilhomme, campagnard et comme haut fonctionnaire, Boiardo appartenait de droit à cette dernière classe. Lorsque l'Arioste commença à percer, il n'y avait plus, du moins dans le véritable sens du mot, de cour à Milan et à Florence. Celle d'Urbain allait disparaître, sans parler de celle de Naples. Il se contenta d'une place à côté des musiciens et des histrions du cardinal, Hippolyte, jusqu'au moment où Alphonse le prit à son service. Plus tard, il en fut tout autrement du Tasso, de Torquato Tasso, le Tasse, que la cour était vraiment jalouse de posséder et de garder. Alors, donc ça, c'était les petits tyrans qui régnaient sur quelques villes du nord de l'Italie, et les intrigues qui nouaient leurs relations entre eux, avec la population, etc. Je crois qu'un faiseur de poterie s'appelle plutôt potier, que le tourneur tourne sur tout le bois. Ah, peut-être le bois, ça pourrait être ça, Danimer. Tourneur est un terme pour désigner le joueur d'orgue de barbarie. Mais je ne crois pas du tout qu'il existe d'orgue de barbarie au XVe siècle. Il y a des formes de petits orgues portatifs qu'on voit
sur les représentés depuis le Moyen Âge sur les fresques et les comment les fresques et les bas-reliefs, hein. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec un orgue de barbarie. Les adversaires donc de la tyrannie. Tu crois que tu as trouvé, Clint? Là, les tourneurs étaient ouvriers installés en pleine ville, ils fabriquaient toutes sortes d'engins en bois. Je pense que tourner le bois, ça me paraît une belle hypothèse, ouais. Ça doit être ça, ouais. Donc ce souverain aimait à tourner le bois. Sus, tu l'as déjà fait tout à l'heure. Et j'ai fait comme si j'avais pas lu. Parce que c'est une honte. Salut Zadiop, c'est une soirée italienne, oui, en quelque sorte. Clint, bon, effectivement, moi aussi, car le lien existe avec le tour moderne. D'accord. Alors, qui sont les adversaires à cette époque de la tyrannie? Déjà, il y en a, visiblement. En présence de cette centralisation du pouvoir souverain, toute résistance intérieure était inutile et impuissante. Toute résistance est inutile, comme dirait un Borg de mes amis. Les éléments de la constitution d'une cité républicaine avaient disparu. Les idées de puissance absolue étaient seules à l'ordre du jour. La noblesse, privée de tout droit politique, malgré les possessions féodales qu'elle pouvait avoir encore, avait beau se diviser et se costumer, elle et ses bravis, en guelfes et en gibelins, faire porter à la valetaille de telle ou telle façon la plume de la toque ou les bouffants du haut-de-chausses, les penseurs tels que Machiavel n'en savaient pas moins que Milan et Naples étaient des villes trop corrompues pour pouvoir former des républiques. Donc là, la description qui est faite de ces villes est un état donc d'affaiblissement complet. Des structures historiques de ces cités complètement en prise à des pouvoirs et des dissensions internes et des familles qui se disputent violemment leur emprise dessus. Il considère qu'à ce moment-là, au XVe siècle, hein, la partition guelfes et gibelins n'est plus qu'un déguisement, en fait. N'a pas grand-chose à voir avec la longue histoire de ce conflit qui, au XVe siècle, c'est, comment dire, arrivé à sa fin. Je suppose que une partie d'entre vous ignore ce que sont les guelfes et les gibelins. Je ne peux pas continuer ce texte sans vous expliquer ici qu'ils font des calembours, il y en a plus souvent qu'à leur tour. Alors, c'est quoi ce conflit entre guelfes et gibelins? C'est très long et très compliqué. Donc je vais essayer de vous la faire courte, et même en la faisant courte, ça va être un peu long et compliqué. Mais c'est extrêmement important pour comprendre l'histoire de l'Italie entre le 12e et le 15e, ce qui se passe là, mais c'est surtout à partir du 13e, hein, sous l'empire de Frédéric II, qu'on parle de ce conflit. Tout au long du Moyen Âge, les empereurs du Saint-Empire convoitent l'Italie. Et à partir du XIIIe siècle, hein, surtout, donc sous l'empire de Frédéric II, hein, qui est devenu empereur lui au début du XIIIe siècle, en 1200 et des brouettes, 1210-20, Frédéric II, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à l'occuper, cette Italie. C'est le rêve, hein, du Saint-Empire, sans arriver à autre chose que d'y foutre une merde phénoménale sous la forme d'une longue, 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 très longue guerre civile. Voilà. Ils sont très dissipés ce soir. Les elfes et les gobelins, mais non! Quelle honte, Suze! C'est lamentable, c'est des petites créatures des cavernes, les gibelins. Mais vous êtes vraiment non seulement dissipés, mais vous êtes vraiment lamentables. Je vous parle du Saint-Empire, mais peut-être que le Saint-Empire germanique, ça vous dit pas grand-chose. Le Saint-Empire, c'est le premier Reich allemand, en fait. Voilà. Ça commence avec Otton, donc l'Empire ottonien.
au ton premier, donc, qui est couronné par le pape, hein, autour de 900 et des brouettes. Hein. Il est couronné par le pape, couronné empereur, hein, parce qu'il avait sauvé le pape d'une attaque. Voilà, le pape avait été attaqué par un seigneur italien. Othon a défendu le pape, et le pape le consacre empereur. Il avait déjà été sacré roi de Germanie à Arles, à Aix-la-Chapelle, un peu plus de 20 ans auparavant. On a ressuscité ce titre d'empereur pour lui, qui avait disparu. Hein, l'Empire carolingien n'existait plus. On est longtemps après, on est deux siècles après. Donc. Lui, Othon va, mais il n'y a pas d'administration, il n'y a que l'administration de l'Église qui est en place. Il va devoir se contenter de cette administration. Il va bricoler, donc, deux siècles après Charlemagne, hein, une nouvelle résurrection de l'Empire sur le modèle plus ou moins imaginé de l'Empire romain. L'étendue, ça se situe en gros entre l'Allemagne et l'Italie du Nord, hein, et puis plus tard, il y aura le royaume de Bourgogne. Alors, au début, par opposition à Byzance, donc l'Empire d'Orient, le Saint-Empire, se fait appeler Romain, hein, l'Empire d'Occident, l'Empire romain d'Occident, qui est opposé à l'Empire d'Orient. Et à la Renaissance, le titre d'empereur va devenir, c'est la famille Habsbourg, hein, qui va recevoir le titre, hein, et ça va devenir le Saint-Empire romain germanique, pour ce que ça peut bien vouloir dire, un Saint-Empire romain germanique. Donc, entre-temps, l'Empire, il a rétréci, les vieux rêves, ils se sont émoussés, et on veut dire que l'étendue du territoire, c'est plus guère que l'Allemagne, et puis les possessions héréditaires des Habsbourg. Alors, c'est quoi ce conflit entre Guelfes et Gibelins? C'est donc un conflit, comme je dis, interminable. Il va être le plus intense entre le XIIIe et le XIVe siècle, entre le Saint-Empire germanique et les cités qui sont du côté du pape, défendues par la papauté. Ça va déchirer les cités marchandes, hein, qui occupent le territoire italien, entre les partisans de l'empereur, donc les Hohenstaufen, les seigneurs de Waiblingen, Waiblingen, Ghibellina, Gibelin, hein, donc c'est la déformation de la seigneurie des Waiblingen, les Gibelins, donc côté empire, et les cités qui ont, elles, l'appui de la papauté, hein, les cités de l'Église, les cités Guelfes, Guelfi en italien, et le nom Guelf, ça vient d'une seigneurie souabe, hein, la Souabe, c'est le sud-ouest de l'Allemagne. Welfen, la maison de Welf, donc les ducs de Bavière, c'est les Guelfes. Guelfes côté pape, Gibelins côté empire, Guelfes côté pape. Voilà, vous avez suivi, relativement simple. Désolé pour les détails. Ce conflit entre Guelfes et Gibelins, c'est la transposition, en gros, d'une rivalité entre deux familles germaniques qui prétendaient toutes les deux à la couronne impériale, les Welfen, Guelfes, et les Hohenstaufen, donc les Gibelins. Frédéric II, Hohenstaufen, va l'emporter à un moment sur Othon IV. Othon IV va se ramasser, lui, à la bataille de Bouvines. Alors, bataille de Bouvines, je ne vous la fais pas parce que c'est super long. C'est une très longue histoire. La bataille, elle est prise dans les guerres qui opposent les Capétiens et les Plantagenets. Hein, donc, en gros, les familles de France et les familles d'Angleterre, entre Philippe Auguste, le roi de France, et à l'époque, Jean sans Terre, roi d'Angleterre. Donc, ça va être Frédéric II qui va l'emporter. Et lui, il a vraiment des vues sur l'Italie. Hein. Donc, au XIIIe siècle, hein, à partir du moment où c'est le plus intense, ce bordel, hein, c'est à l'intérieur même des cités italiennes que les divisions peuvent déchirer les grandes familles. Par exemple, à Florence, là, vous avez vraiment à l'intérieur de la cité elle-même, vous avez des familles historiques importantes, dont certaines sont guelfes et d'autres gibelines. Donc à Florence, vous avez les Bodelmonti, qui sont des guelfes, donc côté du pape et côté d'Othon IV, qui a été défait. Vous avez les Amidei, côté gibelin, donc côté Frédéric II, côté Hohenstaufen, l'Empire. Les gibelins, ils vont se faire tège de Florence. Donc Florence va devenir une ville guelfe. Hein. Mais comme si ce n'était pas assez compliqué, il y a deux factions à ce moment-là qui vont se diviser à Florence. Les Guelfes Blancs, donc les Guelfes Blancs, c'est les bourgeois, les aristos qui sont plus proches de la population florentine, qui visent
plutôt une distance vis-à-vis du pouvoir papal, qui vivent à s'en émanciper un peu. Donc, d'une certaine façon, ils ne sont pas si éloignés d'une certaine vision ghibline. Et les guelfes noirs. Et donc, les guelfes blancs et les guelfes noirs vont se foutre sur la gueule. Et si ça vous intéresse, c'est des choses dont parle Dante. Dante était guelfe. Et Dante était, lui, du côté des guelfes blancs. Et il évoque tout ça hein, dans ses textes, dans l'enfer de Dante, dans le chant 10. Il en est question. Bonne nuit, maman. À plus tard. Hein. Dors bien. Alors, comment une de ces dynasties s'était trouvée du côté du pape? Anecdote. Oh, une anecdote. Parce que un des empereurs de cette lignée, Lothaire III, au début du XIIe, il avait été élu dans un nœud d'intrigue ahurissant par les ducs opposés aux Hohenstaufen. Et il avait peur pour ses miches, parce qu'il sentait qu'il était en danger permanent. Et il avait cédé au pape tous les droits impériaux établis. Oh non, putain d'anecdote. Tous les droits impériaux établis dans le concordat de Worms, d'Henri V. Alors, c'est quoi ce concordat de Worms et en quoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que c'est complètement lié en question, à la question des guelfes et des gibelins, parce que le concordat de Worms, c'est l'accord qui avait mis fin à la querelle des investitures. Et le conflit entre guelfes et gibelins, il est très étroitement lié à la querelle des investitures. Et la querelle des investitures, c'est quoi? Eh bien, les investitures, c'est juste le pouvoir de désigner les membres du clergé les plus élevés, c'est-à-dire de désigner les évêques, l'investiture des évêques. Vous sachiez que jusqu'au XIe, donc avant que Grégoire VII n'y foute un petit peu d'ordre, l'Église était très dépendante des seigneurs des rois, et notamment parce que très complaisamment, le clergé était institué par le pouvoir temporel en place, par les princes et les rois. Donc autant vous dire qu'ils ne foutaient pas forcément des gens très versés dans la foi, dans le clergé, mais plutôt qu'ils les arrangeaient, leur comportement était proche de celui des laïcs. Donc Grégoire VII, le pape, n'est pas du tout d'accord avec ce Berger, il trouve que ça va de mal en pis, que l'état de l'Église est lamentable, qu'elle n'est plus qu'un vieux fantôme de ce qu'elle était. Donc le pape va prendre des dispositions pour réformer l'Église. Et c'est cet ensemble de dispositions qu'on va appeler plus tard la réforme grégorienne. Donc pour discipliner le clergé, il va imposer le célibat des prêtres. Il va interdire la vente des indulgences. Dans les monastères, il va exiger un retour à la règle de Saint-Benoît. Donc ça rigole plus. Et donc notamment retour aux vœux de pauvreté. Il va instaurer une formation savante pour les prêtres, parce qu'à cette époque, la plupart du temps, ils sont complètement ignorants de leur propre doctrine. Et surtout, et c'est là que ça va coincer, il renforce le pouvoir de l'Église en interdisant aux laïcs de nommer des membres du clergé. Les rois et les empereurs ne peuvent plus nommer leurs proches à des postes aussi convoité que le poste d'évêque. Alors vous doutez bien que les empereurs, eux, ne veulent pas perdre les précieux dépositaires, les précieux publicitaires de l'ordre impérial que sont les évêques. C'est à l'époque, au début du Saint-Empire germanique, quand Othon, lui, il avait été couronné, il avait un contrôle total sur l'investiture des évêques et conséquemment sur l'élection des papes. Donc vous voyez un peu le socle historique de cette bataille entre guelfes et gibelins, dans quoi elle s'articule. Sachez donc qu'elle a longtemps déchiqueté l'Italie, que l'Italie était partitionnée entre ville guelfes et ville gibelines. Alors, qu'est-ce que vous dites de tout ça? J'espère que c'était clair et que ça vous a intéressé tout ça. Alors, cette double dépendance du clergé au Vatican et au prince temporel est restée présente dans les rôles des cardinaux, si je m'abuse. Pas que je sache, ou alors c'est revenu après un affaiblissement, parce qu'effectivement, quand on lit,
Par exemple, comment. Parce que la réforme grégorienne, elle ne va pas s'arrêter avec Grégoire VII, hein, elle va se poursuivre un bon moment. Mais quand on lit l'histoire, par exemple, de France, juste France, il y a. Comment il y a des doutes sur cette indépendance réelle des relations du temporel et du spirituel sur le placement de certaines des figures centrales. Enfin, c'est quelque chose qui revient inlassablement sur le territoire et les enjeux. Donc, il y a quand même pas mal de nœuds d'intrigue qui montrent qu'il y a une porosité. Enfin, après, hein, du pouvoir temporel quand même dans ces jeux de pouvoir, dans une capacité éventuelle. Mais je ne pense pas du tout comment. En gros, à l'époque dont on parle, hein, donc là, entre le 13e et le 14e, cette réforme, elle est claire, sans bavure. Hein. Et c'est la totalité des membres les plus élevés du clergé qui sont désormais nommés par l'Église et elle seule. Voilà. Alors tiens, d'ailleurs, le saviez-vous, aujourd'hui, le seul État au monde où les évêques sont nommés par le chef d'État, c'est la France. Les évêques de Strasbourg et de Metz, précisément. D'accord. C'était très clair, Laurent. Sandrine Rousseau, elle est guelfe à cause des gobelins en plastique. Mais quelle honte! Oh, j'ai honte de rire de vos conneries en fait. Vous êtes lamentables. Les adversaires de la tyrannie. C'était clair, tant mieux. Allons-y. En présence de cette centralisation du pouvoir souverain, toute résistance intérieure était inutile et impuissante. Les éléments de la constitution d'une cité républicaine avaient disparu. Les idées de puissance absolue étaient seules à l'ordre du jour. La noblesse, privée de tout droit politique malgré les possessions féodales qu'elle pouvait avoir encore, avait beau diviser et se costumer elle et ses bravis en guelfes et en gibelins, faire porter à la valetaille de telle ou telle façon la plume de la toque ou les bouffants du haut-de-chausses, les penseurs tels que Machiavel n'en savaient pas moins que Milan et Naples étaient des villes trop corrompues pour pouvoir former des républiques. Voilà, je le relis parce qu'on l'avait un peu perdu. On trouve chez eux de singulières appréciations sur ces deux prétendus partis, qui depuis longtemps n'était plus que le prétexte désuet de vieilles haines de famille soigneusement entretenues à l'ombre du pouvoir absolu. Donc, ce qu'on disait juste à l'instant sur la fin finalement de la réalité finalement de cette construction. Salut Glitch. Un prince italien auquel Agrippa de Nettesheim conseillait d'en finir avec ses divisions répondit: mais leur querelle me rapporte par an jusqu'à 12 000 ducats d'amende. Et lorsqu'en 1500, par exemple, après le retour du Maure dans ses états, les guelfes de Tortone appelèrent dans la ville une partie de l'armée française qui se trouvait dans le voisinage afin de donner le coup de grâce aux gibelins, les Français commencèrent par piller et par ruiner ces derniers. Mais ensuite, ils en firent autant aux guelfes eux-mêmes, jusqu'à ce que Tortone fût entièrement dévastée. Dans la Romagne, aussi, dans ce pays où les passions et les haines étaient éternelles, ces deux noms avaient entièrement perdu leur signification politique. Par l'effet des aberrations politiques du temps, les guelfes se croyaient parfois obligés d'affirmer leur sympathie pour la France et les gibelins de se retourner vers l'Espagne. Je ne vois pas que ceux qui exploitaient cette singulière erreur en aient beaucoup profité. La France a toujours été contrainte d'évacuer l'Italie à la suite de chaque intervention. Est-ce que l'Espagne est devenue après avoir tué l'Italie? On ne le sait que trop. Mais revenons à l'autocratie italienne telle qu'elle existe à l'époque de la Renaissance. Une âme absolument pure aurait peut-être admis, même à cette époque, que toute puissance émane de Dieu, et que les princes italiens seraient nécessairement devenus bons avec le temps, et auraient oublié leur origine violente, à condition de trouver chez tous leurs sujets un concours loyal et dévoué. Mais c'est ce qu'on ne peut pas demander à des imaginations ardentes et à des esprits exaltés. Ainsi que les mauvais médecins, ceux-ci ne voyaient la fin du mal
que dans la suppression du symptôme, et s'imaginer qu'il suffisait d'assassiner le prince pour s'assurer aussitôt la liberté, ou bien leur pensée n'allait même pas aussi loin, et ils voulaient simplement donner satisfaction à la haine générale, venger une famille plongée dans le malheur, ou punir une offense personnelle. Il y a eu une super jolie Véronique en cailloux précieux dans le diapo. Ah, c'est possible. Je ne regardais pas trop le diaporama. Une Véronique en pierre précieuse. D'accord. Écoute, je n'ai pas de souvenir, là. Dit comme ça. De même que la domination du souverain est absolue et placée au-dessus des lois. De même, le moyen dont se servent ses adversaires n'est subordonné à aucune considération morale. Boccaccio le dit ouvertement. Dois-je donner au despote le nom de prince ou de roi et lui obéir comme à un supérieur? Non, car il est l'ennemi commun. Contre lui, je peux employer les armes, les conspirations, les espions, le guet-apens, la ruse. Car il s'agit d'une œuvre sacrée, nécessaire. Il n'y a pas de sacrifice plus agréable que le sang des tyrans. Ici, nous ne pouvons pas nous arrêter aux détails. Disons seulement que dans un chapitre célèbre de ses discours, Machiavel a traité la question des conjurations antiques et modernes à partir de l'époque des tyrans grecs de l'Antiquité et qu'il les a jugés froidement d'après les plans suivis par leurs auteurs et leurs chances de succès. Qu'on nous permette seulement deux observations. L'une portant sur les meurtres accomplis pendant le service divin, l'autre sur l'influence de l'Antiquité. Il était presque impossible d'atteindre le tyran au milieu de ses gardes et de le frapper, sinon quand il se rendait solennellement à l'église. Dans aucune autre circonstance, on ne pouvait trouver réunie toute une famille princière. C'est ainsi que les habitants de Fabriano tuèrent en 1435 leur tyran, les Chiavelli, donc leur au pluriel, pendant une grande messe. Il avait été convenu que le massacre commencerait quand le prêtre prononcerait ces mots du credo « Et incarnatus est ». À Milan, le duc Jean-Marie Visconti fut assassiné à l'entrée de l'église de Saint-Gothard. Le duc Galeas Maris Sforza dans l'église Saint-Étienne. Et Ludovic le Mort n'échappa pas, en 1484, au poignard des partisans de la duchesse Bonne, veuve du duc de Milan, qu'en entrant dans l'église de Saint-Ambroise par une autre porte que celle où l'attendaient les sicaires. Donc les sicaires, les meurtriers armés de couteaux. Ce n'étaient pas là des impiétés préméditées. Les meurtriers de Galéa, avant de frapper ce prince, prièrent le saint auquel l'église était dédiée et assistèrent à la première messe dans le temple même qu'ils devaient ensanglanter. Cependant, lors de la conjuration tramée par les Pazzi, contre Laurent et Julien de Médicis. Donc les Pazzi, c'est une des familles opposées aux Médicis florentins. Hein. Une cause de l'avortement partiel du complot fut que le capitaine Jean-Baptiste de Montececco refusa de frapper dans le dôme de Florence les victimes désignées, attendu qu'il s'était engagé à les tuer au milieu d'un festin. Deux prêtres, qui avaient l'habitude des lieux sacrés et qui n'avaient pas peur d'ensanglanter une église, s'entendirent pour prendre sa place. En ce qui concerne l'Antiquité, dont nous rappellerons encore plus d'une fois l'influence dans les questions morales et particulièrement dans les questions politiques, les princes eux-mêmes donnaient l'exemple attendu que, dans l'idée qu'ils se faisaient de l'État aussi bien que dans leur conduite, ils prenaient souvent pour type l'Empire romain d'autrefois. De même, leurs adversaires s'inspiraient de l'exemple des tyrannicides antiques, dès qu'ils raisonnaient leurs attentats. Sans doute, il est difficile de prouver la contagion de ces exemples, en ce qui concerne la chose principale, c'est-à-dire la résolution d'agir. Mais il en est pas moins vrai qu'en invoquant l'Antiquité, ils songeaient à autre chose qu'à faire des phrases sonores et des déclamations pompeuses. Nous possédons les renseignements les plus curieux sur les meurtriers de Galea Sforza, Lampugnani, Olgiati et Visconti. Ils avaient tous les trois
des motifs tout personnels pour se débarrasser du tyran. Et pourtant, la résolution de le frapper est venue peut-être d'une raison plus générale. Cola de Montagne, humaniste, professeur d'éloquence, avait fait naître dans le cœur des jeunes nobles milanais qui suivaient ses cours un désir confus de gloire et un vague besoin de faire de grandes choses pour la patrie. Et il avait fini par parler à Lampugnani et à Olgiati de la nécessité de délivrer Milan de la tyrannie. Bon, bientôt il devint suspect, fut banni et dut laisser les jeunes gens à leur fanatisme sans pouvoir le diriger. Environ 10 jours avant d'agir, ils jurèrent solennellement dans le couvent de Saint-Ambroise de frapper Galéas. Puis, dit Olgiati, j'allais devant une image de Saint-Ambroise, dans une chapelle écartée. Je levais les yeux vers le saint et le suppliais de nous assister, nous et tout son peuple. Bon, il faut se souvenir qu'Ambrogio, hein, c'est un des 4 docteurs de l'Église, hein, c'est le maître de Saint-Augustin, et il avait été évêque de Milan. Je me demande si Saint-Ambrogio n'est pas le premier évêque de Milan. Le céleste patron de la ville doit protéger le complot, ainsi que Saint-Étienne, dans l'église duquel il sera mis à exécution. Donc Saint-Étienne, c'est Saint-Stéphano, puis Étienne et Stéphane, c'est le même saint, hein, qui est un proto-saint, c'est un des premiers saints martyrs. Ils mirent encore beaucoup d'autres personnes à moitié dans le secret, tinrent leur conciliabule nocturne dans la maison de Lampugnani, et s'exercèrent à frapper avec des gaines de poignard. Le complot réussit. Mais Lampugnani fut immédiatement tué par l'escorte du duc, et les autres furent arrêtés. Visconti témoigna du repentir. Quant à Olgiati, malgré les tortures, il persista à dire que son action avait été un sacrifice agréable à Dieu. Et pendant que le bourreau lui écrasait la poitrine, il répétait encore « Courage, Girolamo !» Ton souvenir vivra longtemps. La mort est douloureuse, mais la gloire est immortelle. Ça n'arrête pas, c'est une pétarade, ce sera un feu d'artifice susien. Malgré le caractère idéal des projets formés et des résolutions prises, on trouve dans la manière de mener la conjuration le souvenir du plus criminel de tous les conspirateurs, de celui qui n'a absolument rien de commun avec la liberté, de Catilina. Donc la conjuration de Catilina, si ça vous intéresse. Et vous pouvez trouver ça dans Salluste, par exemple, hein, les Catilinaires. Les annales de Sienne disent formellement que les conjurés avaient étudié Salluste. Et le fait ressort indirectement de l'aveu même d'Olgiati. Nous retrouverons encore plus loin ce nom terrible. Cependant, à ne considérer que le but, il n'y avait pas, pour les complots secrets, de modèle aussi séduisant que celui-là. Chez les Florentins, chaque fois qu'ils se débarrassèrent ou voulurent se débarrasser des Médicis, le tyrannicide était un idéal ouvertement proclamé. Après la fuite des Médicis, on enleva de leur palais le groupe en bronze de Donatello, représentant Judith et sa victime Holoferne, et on le plaça devant le palais des seigneurs, à l'endroit où l'on vit plus tard le David de Michel-Ange. Avec cette inscription, Exemplum salutis publicae, Cives posuere, 1495. Alors, exemple salitaire et public, Cives posuere. Merde. Je suis trop nul en latin, j'avoue que j'ai pas la fin. On invoquait surtout l'exemple de Brutus, le jeune, que Dante met encore avec Cassius et Judas Iscariote au plus profond de l'enfer, parce qu'il a trahi l'Empire. Pierre-Paul Boscoli, qui échoua dans sa conspiration contre Julien, Jean et Jules de Médicis avaient professé l'admiration la plus fanatique pour Brutus et avaient promis solennellement de l'imiter s'il trouvait un Cassius. En effet, Augustin Capponi se chargea de le seconder. Donc, il se chargea de le servir de Cassius. Les dernières paroles qu'il prononça en prison sont un des documents les plus précieux que nous avons sur les idées religieuses d'alors. Elles montrent quel effort il avait fait pour chasser ses idées païennes et mourir en chrétien. Il faut qu'un ami et son confesseur lui affirment que saint Thomas d'Aquin condamne les conspirations en général. Mais plus tard, le même confesseur a avoué à l'ami en question que saint Thomas faisait une distinction et qu'il permettait de conspirer contre un tyran
s'il s'était imposé au peuple. Lorsque Lorenzino de Medici eut assassiné le duc Alexandre et se fut mis en lieu sûr, il parut une apologie du meurtre, apologie probablement authentique, ou du moins inspirée par lui, dans laquelle il vante le tyrannicide en lui-même comme l'œuvre la plus méritoire. Il se compare sans hésiter à Timoléon, le fratricide par patriotisme, dans le cas où Alexandre aurait appartenu réellement à la famille des Médicis et aurait ainsi été son parent, même éloigné. D'autres l'ont comparé à Brutus, et Michel-Ange lui-même avait encore bien longtemps après des idées de ce genre. C'est ce qu'il est permis de conclure de son buste de Brutus, qui se trouve dans le musée du Bargello à Florence, musée des sculptures de Florence. Il a laissé ce buste inachevé, comme presque toutes ses œuvres. Mais ce n'est certainement pas parce qu'il a trop détesté le meurtre de César, comme le prétend le distique gravé sur le marbre. Ce sont deux vers, hein, distiques. On chercherait en vain dans les principautés de la Renaissance un radicalisme démocratique comme celui qui s'est développé en face des monarchies modernes. Sans doute, chaque individu protestait dans son fort intérieur contre le pouvoir d'un seul. Mais il cherchait bien plus à s'accommoder de ce régime ou même à en profiter qu'à se réunir à d'autres pour l'attaquer. Il fallait que les choses fussent poussées à l'extrême, comme à Camerino, à Fabriano, à Rimini, pour qu'une population entreprît de tuer ou de chasser ses princes. Du reste, on savait bien dans la plupart des cas qu'on ne ferait que changer de maître. L'étoile des républiques était visiblement en train de pâlir. Ben oui, Clint, exactement. En tout cas, c'est leur référence. Ils n'ont pas besoin d'inspiration pour assassiner un tyran. Ils n'ont pas utilisé les plans, si tu veux. Oui, on a retrouvé les plans, on a fait pareil. Déjà, ils font pas ça au Sénat, ils font dans une église. Mais en tout cas, c'est leur référence. C'est leur référence morale, si tu veux. Donc, c'est moins qu'une inspiration, c'est... ça devient une référence morale. Alors, le chapitre suivant est consacré aux républiques, justement. Puisqu'il est question de la flamme qui pâlit des républiques. C'est un chapitre consacré à Venise et Florence. Ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait 2h30. Est-ce que je continue ou bien? Je me demande. Je sais qu'il est un peu tôt pour un live sur cette chaîne, c'est très inhabituel. Mais comme les derniers ont été très longs, que j'ai fait des petits 6 heures, je me demande si je ne me ferai pas un live très court. Sachant que dimanche, on en fait un avec Gabriel, un live philo-dessin. Donc quelque chose d'un peu moins léger que ce soir ou... On n'a pas vraiment travaillé, on ne s'est pas plongé dans les détails de l'histoire. On se contente d'une petite lecture. Je pense que ça serait assez agréable de faire une soirée courte pour aujourd'hui. Et dans ce cas-là, moi, je vais raider. Hein, ça vous va? Est-ce que j'ai quelque chose contre le tyrannicide? D'une façon générale, tu veux dire? Alors, hop. Non, pas du tout. Ouais, Gabriel, ouais, qui était au boulot ces temps derniers, qu'on n'arrivait pas à voir du tout, il sera là, dimanche. Donc ça, c'est très très chouette. Alors, qui est en ligne? Qui va-t-on aider? On va voir ça tout de suite. J'allais le faire, le tiramisu, en fait. Cela dit, j'ai retenu, je me suis mordu la lèvre inférieure, et qu'as-tu fait? Malheureux. Alors, il y a Lucaino, il y a Lady Croco, qui fait je sais pas quoi. Il y a... Le radis irradié, c'est quoi le radis irradié? Ils font des Legos, donc on s'en bat les couilles. Foutu pour foutu, enfin, il y a plein de gens, je sais pas, voilà. Écoutez, c'était Clint de droite que tu posais la question. Non, mais il n'est pas du tout de droite, Clint. Il pense que ça sert à rien de tuer les tyrans si c'est pour les remplacer. Mais si, ça sert à quelque chose, ça fait du bien, en fait. C'est déjà une raison très suffisante. Si c'est juste bon pour le moral de tuer un tyran, c'est une raison très amplement suffisante pour tuer un tyran, selon moi. Ça dure pas longtemps, mais bon, c'est pas grave, on tue un autre tyran après. Hein? C'est pas les tyrans qui manquent.
C'est ça, il va revenir parmi nous parce qu'il a fini de trier des crevettes. Salut, break. Bon, écoutez, je ne vois pas qui irait aider. Alors, à moins que vous ayez une idée lumineuse, hein, une petite idée de qui aller voir. Moi, là, je. Voilà, je vous envoie chez Yukaino, mais je me suis fait engueuler la dernière fois. Alors, moi, je la trouve sympathique comme tout, Yukaino. Comme vous n'êtes pas foutu de me donner un nom, je vais faire ça. Comme ça, vous gueulerez. Quoi encore? Ça suffit. Tatati, tatata. Vous n'avez qu'à me trouver des noms de chaînes à raider. Ça vous apprendra. Donc, oui, tu vois, il ne faut pas négliger le soulagement. Je lance le raid. Soyez gentils. Comportez-vous bien. Et puis, saluez-le de ma part. C'est ça. Tatati, tata. Exactement. Tatati, tata. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt. À dimanche, en fait. Donc...